Oh non, le peigne! Le pain est mort, il a mouru le peigne! C'est con! What a sadness! T'as chialé, hein? Chial! Non, j'ai ri! Il sera moins! Chiennasse! Ouais, attends, faut peut-être que je regarde le stream parce que sinon, il va me gueuler dessus. What the fuck? C'est des petits solis qu'on a portés. Non, c'est des graines de donner un pic. Du coup, qu'est-ce qu'il comprend là? Bah, du coup, on irait à la montagne, non? Ah, la montagne, celle qui est tout à gauche, c'est ça? Bah, oui, enfin, c'est ce que Justin a trouvé. Quoi. Tant que les fours à charbon terminent, ouf, ouf, je suis discret. Tu vas faire peur au cochon. Y'a plus de cochon. C'est pas toi que je parle. Regarde, le beau cochon là-haut. Tu vas lui faire peur. Arrête. C'est qui le beau cochon là-haut? C'est lui. Quoi? On t'a vu avec tes posters de lolis géantes, hein. Rends-moi mon charbon. Alors déjà, je te rends pas. Ajouter charbon. Mais normalement, quand tu drops un objet, ça peut pas te le ça te le remet pas dans l'inventaire direct. En fait, il restait un à faire. Ah, oui. C'est pour ça. Oui. D'ailleurs, le stream il tombe bien, il tombe bien. Oulade. Normalement, quand tu drops un objet, ça fait en sorte que tu le relootes pas direct. Oulade. Faites des roulades, hein, c'est important. Dans 20-30 ans, il y en aura. Bon, avant. Mais le tête que tu as. Les roulades, c'est assez rare. Oui, du coup, on a de l'argent, on a de l'argent, on a de l'argent. J'ai un pissenlit. En vrai, on en a pas beaucoup, on en a que 49. Quoi. J'ai un pissenlit quand même. Putain, mais ce qu'il me reste à faire, c'est juste l'épée. En vrai, ça coûte une blinde. Ah oui, on est à combien d'argent là? On en a 49. 49. Et pour le martel, c'est combien? C'est 30 aussi. Ah, fais ton épée d'abord, j'ai envie de te dire. Ah non, c'est 40 l'épée, mais toujours plus quoi. Oh là là, quel enfer. Ah sinon je peux me faire le futon. T'as d'où le fut? Là. Attends, on en a 49 T'avais pas dit 39? Ah non, 49 c'est bien ça. Mec. Il en manquait un pour qu'on puisse faire argivre et un pantalon de loup. Non, mais fais ton... Comment ça s'appelle? Ton épée en priorité. Toi, tu combats plus à l'épée. Moi, je me sers pas du marteau, je vais faire aucun dégât. Et puis, il est même pas dit que je m'en sers tout le temps, quoi. C'est même pas que je ne... Que je combats à l'épée, c'est que je ne combats qu'à l'épée. Voilà, c'est ça. Donc, fais ton épée d'abord, et après, je verrai pour le marteau. Mais en vrai, si le marteau, tu le fais, je le testerai peut-être. Bah, je pense que il sera plus intéressant que c'est pas toi qui l'y a à la limite. Vu que tu combats. Ah, je sais pas. Je sais pas, en vrai, ça dépend. Ça dépend du marteau s'il est intéressant ou pas. Il fallait quoi? Il fallait de la peau de loup. Tu peux aller me dire ce qu'il faut pour les crafts de l'épée, s'il te plaît? Ok. Je crois qu'il faut 5 de fer. Ça, j'ai rappelé. J'ai rappelé dans ma tétasse. Ta tétasse. Oui. Alors l'épée d'argent, c'est. Alors c'est 5 de fer, 3 de bout de cuir, 40 d'argent et 2 bouts de bois.
3 bouts de cuir, mais ça coûte rien en cuir. Oui. Et par contre 40 d'argent quand même. Ah mais du coup je suis plein du cul, j'ai 40 d'argent sur moi là. Et 2 bouts de bois tu m'as dit? Oui. Alors papy, on se traîne le fion? Ah bah j'ai 40 d'argent sur moi gros. Je peux te pousser si tu veux. Oh attends, quand tu peux plus te déplacer, est-ce que je peux te pousser? Attends, vas-y. Avance jusqu'au bout. Bon, c'est pas non plus ouf quoi. Ça c'est des grands moments de gaming ça. Aide-moi à le pousser. On refait le cul à papy. Super. Mais en fait, te mets pas devant l'argent que je dois récupérer. Bah prends-le. Prends-le. Oh non. Faut que tu passes par l'intérieur. Voilà. Oui. Paf. Et attention. On les épaule. Bam. On n'en a rien à foutre. Elle est belle en vrai. Ah bah oui. Mais là dans le cul de Nat s'il te plaît là. Ah yes. Je gratte le cul, on me permet. On gratte un peu. Bon gros, explorer cette montagne. Comme on dit chez moi, c'est parti, c'est partout. Allez les enfants. Allez, entendez. On suit Justin. J'arrive. Yay. Alors. Oui. On referme les portes. Et on cavale. Par ici. Il est pas parti l'autre. Non, je prends un coup de bouffe avant de partir. Il va nous rejoindre. On est en... Ah putain, mais j'ai l'habitude de me gratter la barbe, mais vu que je me suis rasé, ça me perturbe. Je me suis auto-perturbé. Ah. C'est assez énorme. Je suis humide. Bah c'est bien, j'ai tout. Putain, tu le vois loin le cercle des boss quand même. Ah oui, non, c'est un beau... C'est effet soin lumière. Qui vient de me taper? C'est un sanglioche. Un sanglioche? Mais défonce-le en fait. Non, j'ai pas envie d'abîmer ma belle épée. Roulade! Waouh! Je l'ai pas vu ta roulade, mais elle était très belle. Et du coup, dis pas qu'elle était belle, connard. J'ai mis un sanglier à coup de saut. Ah oui, mon canal de Suez que j'avais commencé à buer. C'est bien, ah c'est ça. Ouais, je me suis dit aussi, c'était bien pas naturel ce truc. Je me dis, putain... Mais bon, pourquoi on aurait crafté un truc ici? Je me dis non, c'est pas possible. Pas. Après, il y a qu'un con pour le faire. Pas de petite truche là-dedans, là? On me fait chier, les sangliers, là. Voilà. Ouais, parce qu'en plus, ils te lâchent pas. Hein. Bah, ils ont mouru. Eh bien, j'aime bien vous avoir. Alors, vous avez bien rattrapé. Ouais, mais moi je cours pas. Enfin, je cours par intermittence. Je cours plus que les étudiants en art sont en cours. Donc, ça te donne à peu près une idée. Ça ne veut rien dire. Exactement. Ah! Ça me gratte le nez, c'est terrible. Là, je vois que je suis collé au fion par un fiac à main, ça me fait peur.
le pied Kama, il va venir te toucher le cul. Ah, tu vois, c'était ici que je te disais qu'il y avait sûrement une montagne, alors que pas du tout. Ah non, mais en fait, tu vois, là, on n'arrête pas de monter. Elle est juste derrière. Et tu vois, c'est là que j'étais là quand tu me disais, mais tu dois bien voir du blanc. Oui, mais en fait, non. Et tu vois, sur la map, ça faisait un truc un peu comme les montagnes quand t'es en bordure. Bah, elle est 100 mètres plus loin, par contre. Hein. Tu t'es pas gouré de beaucoup. Ah là, j'avais le pif, en fait. J'ai le pif. Ah, bonjour. J'ai mis du 136 au bourgeois. Bah super, on passe à côté d'une forêt noire. Mais la forêt noire a fait 5 mètres. Ah c'est vraiment juste une petite forêt. Ah oui, de fait. Elle fait vraiment 5 mètres. On voit une belle montagne. Mais il y a un petit village. Ouais, j'ai déjà pouillé, en fait il n'y a rien. Il n'y a que dans... Il y a une casse-bas. Et... Effectivement, on voit la montagne. Il y a des baies, mais... Des baies. Et tout de suite, elle paraît bien plus grande que l'autre montagne qu'on a vu. Hop, je bouffe. Moi, j'attends encore un peu. Ah, mais j'avais pas bouffé depuis le départ de la maison. Ah bon, depuis, je suis toujours à 25 PV. Hein. J'avais la dalle. Ouais, mais le temps que ça se régène et qu'on monte... On connaît les loups, hein. On les connaît. Oui. On les connaît trop bien. Alors voilà, le problème que j'ai, c'est que... Et monte. Oh putain, les tempêtes de neige dès qu'on arrive. Oh là là, et on voit Jdal. Bah, ah ouais, en plus, on peut même pas bien cartographier. Elle monte pas très haut, je trouve. Donc je sais pas si on va trouver des trucs intéressants. Bah t'as pas tout exploré. On peut juste trouver le point de repère du boss. On est pas très loin du centre de la map, donc je sais pas si on aura des trucs intéressants. Mais ça, je sais pas, j'en sais rien. Vous ne savez pas, vous êtes un homme qui ne sait pas. Qu'est-ce que quelqu'un a mis le bréchet? Pas du tout, je l'ai jamais sur moi. Tu l'as mis, toi? Je l'ai mis. Bon. Par contre, vu qu'on a cartographié, on a déjà fait la moitié du biome neige. Hein. En largeur, je veux dire. Bah, en largeur. Oh! Alors, oh là là. J'ai vu un loup sauter sur un de mes potes. J'étais... Ah! Je t'ai lâché, Nathan. Je t'ai laissé avec le loup. Ah oui, de fait, on a bien fait la largeur. Ah oui, non, on est... Attends, bah on va pouvoir à peu près noter la hauteur. Ah, quand même. Je glisse. Aïe. Je pense que tu te fais plus chier que... qu'autre chose, Nathan. Non, mais j'attends l'autre bout pour bien compléter la map. Alors, attendez. En attendant, moi, je vais mettre de dune. Moi, je ah, ma polaire, pardon, ma polaire. Ah, mais faudrait qu'on trouve. Ah, mais on avait dû le voir en faisant le tour de l'île là. C'est possible, mais ça nous intéressait pas du tout à l'époque. On avait même pas découvert le biome marais. La forêt noire, c'était dur. C'est normal si je bouge pas, hein. je mets une polaire. Non, t'inquiète, hein. tu l'as déjà dit, donc j'avais compris. En fait. Ouais, mais je préfère le répéter, vous êtes dur de la feuille. Oh ça va, papy? Je protège mon ami. Mais j'ai peur qu'elle pue du cul là, peut-être. Après, on peut toujours fouiller, hein. Ah bah oui, non, mais on va fouiller maintenant qu'on est là. Je vous suis, papy. Des petites veines d'argent, là, on dit pas non. Je pense pas qu'on trouve des veines d'argent à la montagne, ça me paraît pas assez haute. Faudrait qu'on aille vers le nord ou le sud. Je dirais le nord, perso, mais... Ouais, peut-être plus le nord. Que le sud, on se rapprochera de la maison, ça va être mieux pour rentrer. Quoi. Bon, déjà, il est remonté, l'autre. Ouais. Je sais pas. Il est oh là. Non, j'ai plus d'un du. Oh. Il est bon. Là. Mais t'as des mains gris. Oh, ouais. Ah du poil, du Ah Il est debout. Ah, il y en a gris, une étoile. Ouais. Non, les bouillards. Les bouillards. Putain, il y a le nain gris de deux étoiles qui est mort aussi. Ok. Moi, je prends toute la merde. Oh bah une tête de loup. Let's go. Let's go. On voit bien par où est-ce qu'on va. On va dans le nord. Ok. Ah, ça monte, hein, ça monte. Hein. Ouais, si vous pouvez arrêter cette tempête. Et où pour voir, en vrai c'est chiant. Ah surtout si on doit voir une pierre rouge qui brille, bon ça va, rouge sur blanc, ça se voit, mais...
on voit pas très loin. Mais en fait, non mais c'est surtout qu'on avait vu qu'il y avait des sortes de trous. Est-ce que je reprendrais pas de l'obsidienne moi? Bah en vrai vas-y hein. Tu peux toujours te faire plaisir en vrai. Si on trouve pas de... Ouais c'est ça. Alors, attendez parce que là... Il y a un point de vue, peut-être qu'on peut en dégager quelque chose. C'est bien qu'il fasse le point de visa. Je vois des dracs. Ah j'entends des dracs. Hein. Moi je vois R. Il est totalement sur mon fil. Oh, mais il y a un cristal là. Dragon. Un de dragon. Mais il y a un œuf de dra... il y a un truc d'œuf de dragon qui spawn dans la caillasse. Il y a un drac qui est décédé. J'ai vu son... Tête là, petite tête. Tu vois genre là, un truc. Ah ouais. De dragon, là. Attends. Attends, je vais quand même vérifier. Oui, il a spawn dans la caillasse. Ah ouais. Yes. On va le laisser comme ça. Ouais. Il était bien au chaud dans la caillasse, hein, tu me diras. Bah ça tient chaud le caillou, hein. Mais comment ils ont chié leur œuf, quoi, surtout. Ah bah. Peut-être qu'en face, il y a un truc. Ça serait bien qu'il y ait un autre puits comme on a vu le... Ouais mais on en a vu qu'un dans un très grand biome, j'ai peur. Après, là... ça a l'air d'être pas mal haut quand même ici. Hein. Oh j'ai cru que c'était une maison ce... Ah il y a le mois gauche. Putain mais il y a encore un œuf de dragon là-bas. C'est quoi ce truc rouge là? Y'a que moi qui vois... Il y a une sorte de tempête rouge. Hein. Ah mais ouais. C'est peut-être le coucher du soleil. Non non c'est que là. Hein. Y'a un truc. Mais moi je pense que c'est le coucher du soleil. Il y a un... Je pense aussi. Il y a un autre. Mais depuis tout à l'heure j'avais ma pioche d'équipée. Mais non mais c'est sûrement le coucher du soleil. C'est possible mais... C'est étrange quand même. Ça fait un peu genre éruption volcanique. Mais non mais ça fait surtout le truc qu'on cherche. Bah tu sais, pierre rouge qui indique le boss. Mais la pierre rouge c'est pour toute lumière. On sait jamais. Non mais mec, autant de lumière pour une petite pierre rouge carrée. C'est genre bah... Non, on a déjà vu mec, elle faut pas autant de lumière, même dans le noir. Putain, j'ai cru que c'était un loup, c'était Nat. Super. Ah, c'est un loup pour les enfants, hein, le prédateur. On prend gros peu de loup là-bas. Bah, c'est déjà la fin de la montagne. Ouais, j'avais pas su. Ah, moi je croise de l'obsidienne, je le casse. Waouh, ouais, il fait super sombre d'un coup. Bah la nuit est tombée. Bien couché du soleil. Ouais, t'as bien raison, je pense. Je sais, je suis toujours raison. Sauf quand j'ai temps. Et du coup, faites attention aux flâneries. Hein. Il y a que dalle. Pourquoi il y a que dalle dans toutes les forêts? Et si, après, c'est qu'une hypothèse, mais si. On... Non, ta gueule. On partait genre du point de Mazdos et qu'on essayait de trouver une montagne de là. Ou d'un autre, mais qui est assez loin. Attends, déjà on finit celle-là. On pourrait envisager ça, mais autant qu'on finisse d'abord de ouais, fouiller une montagne qu'on connaît, quoi. Oh, un caillou. Mais un je squelette. Crois pas que c'est ça. Embuscade de squelette de mon côté. Oui, je suis à côté. Moi, oh, j'ai une pierre rouge. Enfin, moi aussi, mais c'est du lore. Ah putain, c'est dur aussi. Je suis tout seul par contre, j'ai peur. Ah, c'est du lore sur les dracs. Ouais, moi aussi. Oh, c'est incroyable ça. Hein? Attends, les armes en argent, c'est super. Ah, fait de rire. Oui, les armes en argent font plus de dégâts aux morts. Mais ça fait un effet bizarre. Ah, mais ça les brûle. Oui, c'est plus de dégâts aux morts. Incroyable. C'est dit dans la description des armes en argent normalement. Ouh j'ai mal. C'est pas dit. Oui une casse-bas là-bas. Ouais j'ai trouvé. Bah on se rejoint à casse-bas, il y a un drac qui m'ouvre le cul. Attends, je fais ça. Ah ouais il me coule pas. Drac décédé. Il y a un œuf de dragon juste à côté de moi. Ah il y a deux dracs. Ah, qu'on prend bien mon drac. Du coup j'ai pas le temps de bien. Allez drop ta tête.
Il y a un golem juste à côté de la Casbah. Il y a un golem juste à côté de la Casbah. Ah oui, bah, oui. Il trigger. Bravo, mais Justine. Mais je l'avais pas vu, t'es mignon. Attends, mais venez, je vais faire masse d'os. Ah. Comme ça, on va plus vite. Par contre, faut lui faut l'esquiver. Ça sert à rien de parer ses attaques. Il est piston. Ouais, je les sonne parce que j'ai bien entraîné. Oui. Ah bah t'es là toi maintenant. Il est là lui. Depuis quand il est là? Ça fait 5 minutes. Je bande plus. Oui, c'est bon. Ah. Ah. What are you doing? Eh, ah, hey, mère. C'est qui le fils de pute? Yoann va te faire enculer. Mais que toi? Que toi ce petit, on est en train de buter un golem de pierre là, qui nous fait chier. Quel gros fils. Oh, c'est Sten. Bah, il est mort. Il est mouru. Il a décédé du décès. Ah, monsieur Stone celui-là. Il y a du précieux si tu veux, Yoann, dans le coco. Bah, en vrai, j'ai quasiment plus de club. Mais... Oh! Attends, bougez pas. Bougez pas. Quand paf! J'sais pas ah, si vous jouez à Valheim. Oui. Ah, Nico. Est-ce qu'il donne. Prends pas le loot. Je veux savoir s'il donne plus ou moins de plumes. Bon, il donne pareil de plumes. Mon cœur fut brisame, je m'en allame. Bah, t'as mis trop de temps aussi. Wow! Là, le mec, il sait pas écrire, quoi. Elle va te faire enculer. Je sens que vous appréciez vraiment bien. Par contre, il s'appelle plus Angaratub et moi, ça me dégoûte. Quoi? Depuis quand? Oh, y'a des loups là, y'a trois loups. Pas touche au loup. Non, tout doux le loup! Tout doux le loup! Ah, je peux plus bander. Ah, oh, je l'ai tué de poison! Il y en a deux qui sont morts. Je vois. Oh, j'ai tiré sur le loup. Rien à foutre le gadjo. Bézo les gars! Ouais, t'as la meilleure intervention de Milad. Ah bah la meilleure. Wesh, ça fait quoi? Bon, juste en toi. Ok. Ah, qu'il est con ce con. Il est bien formé à ce niveau-là. Hein. Il est honnête. Hein. Après, j'espère qu'il y en a plus dans le sud en vrai. Bah du coup, qu'est-ce que vous en pensez de l'idée? Bon, on fouille cette zone, hein, évidemment, mais... Ah oui, oui. Bah après, oui, de toute façon, on n'aura pas le choix. Hein. Je pense que ça va être la meilleure option. Il y a un drac. Ouais, il y a des dracs. Je peux aller sur mon petit cul. Charponner. Ah, mais vous êtes giga loin. Bah oui, on n'a pas le temps. Moi, je me perds tout seul. Par contre, en fait, vu qu'il n'y a pas le, l'archer Nat, faut faire quelque chose. Hein. Ah mais j'ai pas fait des flèches. Ah bah. Donc bah ouais, l'arc, le cercle sur mon terre, bah... Le smile, comme on dit, quoi. Eh bien... J'arrive. Ah oui, y a un deuxième drac. Let's go. C'est cool, parce que vous pouvez vraiment les toucher, du coup. Mais moi, je peux le toucher au harpon, quoi, mais... Le mouvement qu'il fait au harpon, quel enfer, j'ai envie de décéder. Aïe, aïe. Faut mourir, monsieur. Il y a un Fenrir et un drac. Ah, loup. Il est stun, vas-y. J'avais plus tendu. Ah. Il y a un Fenrir. Mais t'es où, Nat? J'explore. Mais Nat, il est dans la pampa. Il se touche le fion. Oui. Il est le drac. Oh, j'esquive. Reste là, ton gros fils. Ah, j'ai plus rendu. Ah, finis-le. Le harpon meilleur. Putain, y'a pas de tête de drac là.
C'est dégueu. Ouais, bon, c'est très petit de montagne, ça. Putain, mais il y avait un Fenrir là-bas, c'est pas fou. Tu perds une mode de loire sur mon cul. Ah oui, il y a un Fenrir, tu veux en faire pas, hein. Un loup étoile. Tape le loup avant. Mais qu'est-ce que tu fous, affronter des hordes de loups? Putain, mais il y a un drac, mais j'ai crevé. Vas-y. Putain, mais je crevé. Putain, je suis mort. Il est où? Mais tu t'es barré tout seul aussi, c'est mérité. Mais mec, à quel point tu t'es... Je m'attendais pas à rencontrer une meute de 5 loups et un loup et étoile dans le tas. T'es parti tout seul. Par contre, je le vois plus. De tout, quelque chose, c'était la dernière chose que je m'attendais. Mais il appelle des loups, par contre. Ouais, y en a déjà, là. Y a un loup à gauche. T'inquiète, t'inquiète, je l'ai vu. Mais avec les dégâts de statue, t'occupes même pas des loups. Ah. Le Fenrir est mort. Moi presque, mais ça va. Je trouve que le Fenrir m'a piqué un peu. Mais ma saucisse elle est bientôt finie. T'as une merde. Ah oui, ma saucisse aussi. On retrouve le cadavre de l'autre là. Ah oui, mais il est dans le nord lui. Faut aller vers le nord. Bah ouais. Attends, faut. Je rééquipe les bonnes flèches. Voilà. Vous avez rencontré les 5 loups qui m'ont buté ou Ah non, mais on vient à peine de partir, on avait Fenrir et 2 loups sur le fiac. Ok. Là, il va bientôt faire jour, donc en vrai, on va peut-être. Bah, le seul truc qui pourrait vraiment nous baiser, c'est un Fenrir, quoi. Un golem de pierre. Bon, en vrai, le golem, il est assez lent, donc en vrai, on peut vite laisser. Oh, il y a un Fenrir, là, fais attention. Vas-y, On va voir distance. Je sais pas si j'ai touché. Pour moi, il a dispo, non? Bah oui, il est où? Ah, vu qu'il fait jour, je pense que. Il a disparu. Oh, c'est. C'est moche le jeu, qu'est-ce que tu nous fais? Là, vu qu'on n'est pas censé en avoir 2 jours, bah. Ah, bah attends, il doit être crevé par là. Hein. Il y a un méga drac là-bas. Je crois que tu l'avais one shot là-bas. Bah avec les dégâts de poison, oui. Je crois qu'il y a une tête, non? Attends, on est revenu tout à l'heure, là. Pourquoi j'ai trouvé de la pierre? Mais non, mais on est revenu à l'endroit de tout à l'heure, Drac. Ah, j'ai plus d'endu. L'arconnet. Il est probable que je repose mon pêche à une étoile dans un mètre de 5 loups. Ah, elles étaient grandes en vrai. Paf! Attends, rencontrer 5 loups et dont un loup et une étoile? Grande? Bah oui, parce que plus il y a de loups, plus t'as de chances d'en croiser. Claro que si. Oui, mais il n'avait pas encore vu une meute de 5 loups, je crois. Si. Il est mort là. Vu Pierre Tombale. Bah sache-le, il n'y a plus de loups. Bah super. En vrai, tu peux quasiment faire la zone sans aller chercher du. Allez, je vois la pierre tomber à l'en bas. Sans utiliser trop de potions de gel. Ah, j'ai tué un drac au loin, j'étais en train de chercher le loot et. Il y a juste de la gelée quoi. Bon, faudra qu'on parte au sud parce qu'il y a air ici. C'est toi là-bas en bas? Ah oui, c'est toi. J'ai l'air d'un gogol qui. Devant le mur parce qu'en fait j'attends juste ma régène d'onde. Je tue des dracs. Hein, si je... Oh, j'ai drop une tête! Oh oui, on va pouvoir refaire un casque. Yes! Oh, ça valait le coup d'utiliser une flèche contre lui. Oh, alors là, je suis saucé là. On va pouvoir se faire un casque. C'est beaucoup de plaisir. Paf, je pioche. Dieu. Ah, j'ai mal au dos, putain. J'establish dominance, hein, je... Là, je... Tu sais qu'en plus, t'es mort dans un beau cul-de-sac, hein, matin. Ah oui, t'es mort dans un sac de cul, comme on dit. C'est pas nouveau. Bon gros sac à cul.
Après, j'ai... en vrai, c'est tout le... c'est une bonne partie du sud. C'est de la montagne, on n'est pas si mal. Ah bah oui. En fait, je... franchement, je l'ai déjà dit, mais je pense que ce qui nous baise, c'est qu'on est trop proche du centre. Ça doit jouer, ouais. Ce Mazdos, il était quand même assez éloigné. Et le premier marais passait aussi relativement. Je pense qu'il faut que... Après, il y avait une montagne au niveau de l'aîné. Hein. Ah bon? Au sud. Ah, en gros, t'as le marchand, c'est au sud du marchand. Ah oui, il y a... ouais, ça peut peut-être valoir le coup d'aller là. On ira là après au pire. En plus, on a le TP qui est à côté. Et puis en ah bateau. Ah bah oui, non. Enfin, non, ça même, dépend. Le trajet en bateau, il est pas si long. Si comment ça se fait que je suis toujours en train de geler? Voilà. Je gèle toujours malgré le fait que j'ai pris ma tenue. C'est... T'es mouillé? Oui, t'es humide, c'est normal, on l'avait vu la dernière fois. Ah oui, c'est vrai. Ah, tu peux le re-harponner? J'ai plus non plus. Attends, j'attends qu'il revienne. C'est des flèches que j'aurais dû reprendre du coup, moi. Ah non! Oh, je fais du 4, s'il te plaît, quoi. Meurs! Oh là là! Y'a que de la gelée, par contre. Ouais, mais on prend quand même. Ouais, non, mais je te le dis, que tu sois pas déçu. Quand faudra faire des flèches de givre, on sera bien content d'avoir une chine. À go repartir au sud du coup. Puis ton bréchet il a pas détecté une seule fois là? Non, pas une seule fois. Casse les couilles en vrai. Ah merde. Non si, non, c'est pas ça du tout. Par contre mon épée en argent elle se casse plus vite. Oui, où est-ce que tu es parti? Go sud alors. Bah ouais. C'est parti, c'est partout. Attends. Je prends l'œuf. Non, prends-moi l'œuf. Hop. Tu veux l'œuf? Non, mais il nous sert à rien l'œuf. Mais je sais, mais laissez-moi finir. Le mec il fait une omelette. Je veux jeter l'œuf comme ça le drac il va bien chier son cul quand il va revenir. Voilà. Il y a un drac. Pardon. J'avais besoin mentalement de baiser cet œuf. Du drac à côté. J'ai un drac aussi là. Je crois que c'est le même. Bonne vie, j'ai mal. Les gars, qu'est-ce qu'il fait là lui? Il m'a fait peur. Est-ce que vous êtes chaud? J'en ai parlé avec Justin pour un Fallen Kingdom. C'est ce dimanche là. Là. Celui-là là, ah, je peux pas. Ouais. Ah, si c'est celui-là, je peux pas. Justin, il peut pas. Yo. Mais c'est quoi cette chiasse? Je te rappelle pas, c'est sur Minecraft. Mais je joue pas à Minecraft moi. Et Mister joueur full triqué? Non. Ok, on va nique sa mère. Oui. Allez Ça va. Allez. Bon jeu. Casse-toi là. Toi ta gueule toi, toi je te baise. Fais rien, fais ah ouais, je te tue. Moi c'est un PV. Papy, je peux plus bander. Ah. J'ai glissé, moi, c'est un PV. Putain, j'ai galéré à le harponner. Ouais, j'ai vu ça. Oh, c'est passé à travers son aile, monsieur l'arbitre. Hop là, le cadavre. Putain, faut que je pioche un peu. J'ai mal. Bah, et moi mal. Pour faire un effort et arrête d'avoir mal. Arrête de te plaindre, on a tous des problèmes dans la vie. Si vous voyez de l'opsy, dites-le moi, hein. faut que j'en récupère. D'accord. Moi j'aime bien l'opsy. Attends, faut aller vers le sud, on va pas trop vers le sud. Vue obsidienne. Paf. Vue obsidienne. Il suffit juste de demander en fait. Et... Ah mais ça fait 5 minutes j'en avais pas vu. C'est pas mal. Je vais quasiment être full en opsy. Là-bas je crois que c'en est. Mais pas du tout.
loup. Il a déjà mouru. Bah ouais, je les stun ce groupe. Astegro fislo. J'ai ma cape devant moi, c'est fou. Quoi, c'est déjà la fin? Quoi? Je crois que c'est déjà la fin. J'avais entendu, je crois qu'il y a des lapins tout en mode qui racontent. Il est bourré cet homme. Ah, mais j'ai envie de faire une ref, mais je suis sûr que vous l'aurez pas. Dis toujours. Est-ce que ce sont des lapins adultes? Ah, de fait, je l'ai pas. Putain, alors Nat qui l'est pas, je comprends parce que c'est une sombre chiasse, mais toi, Yon, ça me dégoûte un peu. Super. Bor, t'as une peur phénoménale des lapins adultes. Dans Kaamelott. Ah, mais oui, mais faut tous rappeler aussi là. Ah, c'est tout! Ouais, j'avoue, oui. C'est décevant. C'est ah, c'est décevant, hein! Ah! Bah, on va aller rejoindre l'aîné, quoi! Ouais, c'est. Bah, la maison avant que je me vide un peu le cul. Bah, attends, quitte à être là. Ouais. Autant que je prenne tout l'opsy que je vois. Ah, j'avoue, c'est décevant! Ah, je suis mais déçu! Bah, du coup, Nat faisant entendre, si tu vois l'opsy, il va prendre. Ouais, ok, je vais voir si tu vois l'opsy. Ça me sauce un bon coup. Oh là là, elle est minable cette montagne. Elle est ignoble. Elle est juste là pour faire joli. On donne envie de vomir. Bah, du coup, je vais fouiller un peu dans le sud. On n'a même pas trouvé un seul petit donjon comme la dernière. Y a rien. Le bréchet, il a rien trouvé. Y a rien. Ah oui, en plus, t'avais le bréchet. Oui. Oh, mais elle pue le cul. C'est une montagne où y a rien. Allô, secours. Putain, mais en vrai, je viens de réagir, mais Nat, t'es mort. Je ne sais combien de temps en montagne, toi, en vrai. Oui. Bah, entre les moments. La dernière fois que j'ai rien. Enfin, la dernière fois. À un moment, j'ai dû récupérer mon stuff, j'étais tout seul. Oh, y'a une autre montagne! Y'a une montagne à 7 mètres. Juste au-dessus, juste en dessous. Quelle saborderie. Putain, mais j'ai bien fait de refouiller au sud. Je pense pas qu'elle soit immense, hein. Si tu regardes bien la map. Ah, ouais, bah. On peut être surpris. Ça peut être la montagne décisive. Hein. On peut être surpris. Putain, si on trouve notre désiré dedans, la sauce. Ah. T'aurais vu les moves qu'on fait sur Rocket League, des fois on sauve des parties insauvables. Tout peut se jouer sur un tout petit truc. Hein. Ah bah alors, j'ai une mauvaise nouvelle. T'as plus le cul. Elle est déjà finie. Ah. Noté. J'ai littéralement fait. Je crois pas. Moi j'entends un troll. Troll. Mais je le vois pas. Ah, c'est... Elle est encore plus décevante que l'autre, la montagne. Ah, en même temps, vu l'espace qu'il y avait... Fallait s'y attendre. On va quand même la découvrir, parce que... Ah, vous allez voir... Ça vaut le détour. Quand même. J'aimerais bien l'atteindre, en fait, hein, parce que pour le moment... Beaucoup de forêt noire. Ouais, c'est de la forêt. Allez un peu plus à droite, allez un peu plus... Enfin, à votre droite. Et vous allez voir, c'est petit. Hein. Ouais. Et là, je vais rejoindre des trucs que j'ai déjà vus. Eh oui, oh là là, mais oui, elle doit être minable. Elle est minable, hein. Sur la map, on la distingue à peine. Mais plus le fion... Ah oui, j'avais prévenu que c'était minable. Tu le fion. Je suis même pas sûr qu'il y ait des mobs qui puissent spawn ici tellement y'a rien. D'accord, c'est tout, c'est cette petite butte et c'est tout quoi. Ouais, c'est une butte. C'est littéralement juste une butte. D'accord. Je suis vraiment content d'être venu ici. Hein. Bah. C'est vraiment cool en tout cas. Qu'est-ce qu'ils me font chier les dingueries là? Retour maison non? Je veux pas aller finir l'exploit dans ma zone. Ouais en vrai. On explore la zone? Bah non, la cartographie un peu le tout moi. Ah moi je serais pour retour maison, c'est pas comme s'il y avait des trucs qui pouvaient nous intéresser quoi. Ouais mais c'est plus par rapport à côté de la map quoi. Bah toi ça te trigger peut-être, moi si je sais ce qu'il y a, ça me dérush pas. Là, elle m'a dégoûté cette montagne. J'ai envie de rentrer et de me mettre dans le pieu, quoi. Ah non, on en a une autre à explorer. Là.
Ah ouais, mais j'espère que l'autre elle va péter du tonnerre parce que là... D'un point de vue, c'est ses montagnes. On a pas oui. Vu. Ouais, mais la première qui était décevante, elle était clairement moins que la deuxième. Hein. Enfin, la deuxième, c'était la meilleure. Oui et non. Ah, les squelettes, j'ai one shot. Wouh! T'es trop puissant. Trop balèze. Je suis sûr que eux aussi, ils one shot. Non. C'est non! Allez. Non, nounours! Putain! J'ai l'impression que si je rote, je vais vomir. Bah, rote pas! Ouais, mais. Des fois. Voilà, faut ça... savoir. Oh non, il pleut! Ça casse la tête, The Bee! Moi, je prends des myrtilles et des chardons. Hein. Moi, je me prends des cailloux de nagri. Ah. Oh! Dis-moi qu'il y a une ruche. Il n'y a pas de ruche. C'est bien cartographique tout ça. J'ai envie de tester. Lui, c'était le seul pixel de la map que j'avais pas exploré, donc c'était sûr que j'étais jamais venu. Et il n'y a pas de ruche. J'étais sûr en fait. Me fait caillasse ma soeur, au secours. Je pense qu'elle a rien demandé ta soeur. C'est vrai. Même la forêt noire est plus haut que la montagne, quoi. Ouais. Ah non, ça respecte pas grand chose, hein. La montagne, pire victime de ce jeu. Ça respecte R. Attends, je one shot les squelettes, mais je les dingueries, il leur faut 3 coups. Aïe! Les armes en argent, c'est mieux sur les créatures. Je suis pris un caillou dans le cul. Bah, je sais. Oh, il y a un spawner à Nangri. Tu cartographies toute la carte, pas toute l'île, toi? Non, je fais juste là la partie parce qu'en vrai, c'est je gagnais du temps à remonter. Et... Mais du coup, j'en profite pour juste cartographier cette partie-là, quoi, et puis après, go back home. Oh, le squelette d'une petite chine. Bon, alors, par contre, monsieur le dinguerie, ça fait 20 minutes que tu me cours après et que tu me lances des cailloux, je vais t'enculer ta sœur. Ah. Vous êtes un homme en colère, ça, je reconnais. Ah oui, oui, hein. Voilà. Ah, ça manque de petits trolls dans le coin. Ah, c'est sûr que c'est le facteur manquant. Quand un spawner un dinguerie? C'est vraiment terrible. Mais en vrai ça va être giga chiant du coup. Faudrait peut-être qu'on y aille en bateau si on ramène de l'argent par contre. Et ah de l'obsidienne. Ouais. Sauf que l'obsidienne... Ah non l'obsidienne c'est bon. Mais si le boss il est sur une autre île ça va être giga chiant. Ouais mais non de toute façon dans tous les cas on doit rapporter un œuf et l'œuf il peut pas être transporté par bateau. Oh bah ouais mais en fait je vois pas ce que ça change. En vrai. Non mais faudra forcément qu'on y aille en bateau en fait. Ah oui mais on y va une fois. On pose un portail et un coffre avec les 3 œufs. Les œufs du coup on pourra les mettre dans le bateau. Bon point ça. On n'aura pas 20 km à faire avec nos œufs sur le cul. Nos œufs. Il faudra qu'on y pense d'abord. Ouais mais ça devrait le faire. En vrai faut déjà qu'on trouve l'emplacement du boss, ce qui n'est même pas fait. Oui. Ouais. Déjà on a trouvé qu'un donjon. Et encore il y avait rien dedans. Je sais même pas si c'était un donjon. Je pense que c'était une structure, genre une tour. L'équivalent d'une tour dans la forêt noire, par exemple. Je pense aussi. Ah oui, mais quand je disais un donjon, c'était un truc comme ça. Y a pas de... Je pense pas qu'il y ait de donjon à proprement parler. Non plus.
enfin bref. On va y arriver, on va y arriver. De toute façon, en vrai, je pense vraiment on a fait le pire boss. Hein. Ah oui, oui, bah c'était catégorisé comme le pire boss. Eh, hey, mais petit troll en fait. Bah oui, petit troll. Tu sais qu'en plus, j'ai eu un monde sauvegardé à côté, il a fait une méta. Je pense que t'aurais survécu quand même. Ah, je pense aussi. Mais j'aurais eu un peu le seul. Il y a un troll qui me suit, quoi. Ah, je peux peut-être amener une troll à la maison, quoi. Ah ouais, mais on va faire un enclos, on va l'appeler Gérard. Allez. On va tout le bon GG. Par contre, faut pas qu'il rentre dans la maison, il va voir le crâne de son ami Gertrude. Oh. Et... Après, c'est pas comme si on avait été un crâne à la maison, quoi. Magnifique, faites quand coup d'un arbre. Je suis sûr que si on savait maîtriser la science de Frankenstein, on pourrait en créer à peu près 20 des... Avec toutes les... Non, troll, avec toutes les... Là, les bestioles. Hein. Avec toutes les peaux qu'on a... Il m'a lâché, le troll. Oh non... Par contre, les trolls, qu'est-ce qu'ils lâchent vite, les proies, en vrai? Bah, ils vont pas vite. Ah, mais vu que, normalement, ils ont... Je suis à la 4 bas. Ah non, la porte dans ma gueule. Ça, j'ai pas des trucs inutiles là. Si les fragments d'eau servent. J'ai pas de résine. De la résine de cannabis, évidemment. Je crois que je n'ai jamais fait la blague. C'était assez. C'est pertinent de la faire. Mec, j'en chie de rire. C'est drôle. Et bien voilà, je fais chier de rire Yoyan et juste ça, ça me rend heureux. Ouais. Alors je sais pas pourquoi, pas loin de ton cadavre, Nad, j'ai récupéré des cailloux cassés. Je ne sais pas ce que tu as fait ces pauvres cailloux, mais... Oui. Ah, bien vu. Après c'est peut-être qu'on avait découvert... Le l'œuf de dragon qui était dans la montagne. Dans la montagne, mais il y a d'à côté. Oui. Il faut que j'aille plus vers le nord, en fait. Putain, mais il y a un sanglioche qui veut mon fiac. Putain, en tout cas, une bonne pluie de ces morts. Hein. Constat. Mais oui. Faudra partir autre mer. Bon bah après le temps qu'on vit nos fiacs, ça va passer. Mais j'ai pas l'impression que on se fasse beaucoup attaquer en ce moment. Peut-être parce que le jeu ne colle pas un gros truc. En même temps tu me dis on bouffe beaucoup. Imaginez à la fin quand tu bêtes le dernier boss, t'as des raids de boss. Petit raid de Mazdos là. Ah j'en salive déjà d'avance. Mais t'imagines juste t'as les 5 boss en même temps. Tu pleures. On va focus. Non mais déjà juste Mazdos, hein, moi ça c'est du caviar qui me fait plaisir. Non mais moi j'imagine genre où t'as tous les boss mais en version V2. En version Pocket Edition. En version, on va vous refaire le pion, bande de fils. Et ça serait beaucoup plus. Il faudrait qu'ils arrivent avec un truc en mode de yo, grosse pute. Et ils t'enculent assez. Grosse pute. Et là, ils t'enculent tous, genre, défoncent ta femme et ils violent ta maison. Rien que le premier boss, ça serait déjà un enfer. Quoi. En vrai, le premier, non. Ouais, mais le rien que le premier boss, ça devient un enfer. Ah, d'accord, ils le rendent aussi dur que Mazdos. ça me dévasterait pas mal. Ah, j'ai oublié. En vrai, le premier boss, genre, il était stylé. Et putain, il pue la merde. Hein. Mais c'était tout, quoi. En plus, toi, t'avais pas eu des giga lags. Moi, si. Tiens, c'est body, on leur invoque qu'on lui pète le cul. Juste pour le lol. En vrai, j'avoue. Moi, ça me barre, j'avoue. En plus, c'est pas comme si on avait tout juste à côté de la casse-bas. Attends, je vous avais dit quoi? J'ai pas écouté. On aurait un voque et on lui pète le cul. Ah, on pourrait, mais on va le violer, quoi. Bah, justement. C'est quoi déjà qu'il fallait? C'était des... Têtes de cerf. Trompée de cerf, bon, on en a une chier.
Ouais, justement. En vrai, ce serait trop drôle qu'on lui mette deux coups d'épée, là. Ça me ferait beaucoup. Ah, la casse-bas. Qu'est-ce qu'il fait à cette casse-bas, quand même? Mais j'ai deux trophées de loup. Faudrait qu'on trouve à quoi il sert le coffre au-dessus de trophée. Ah oui. En vrai, ça peut rien. Ah oui, du coup, on peut refaire un casque de drac après. Ah, ça va être bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est des news qui redonnent le smile. Putain, j'ai récupéré une chienne myrtille. Hein. Je propose un petit feu là, on est bien. Ah, c'est pas du tout là en fait que je vais m'aller. Du coup, on va retourner le péter le cul à le connard. Mais tu veux vraiment le faire? Bah oui, qui t'a... Les pots, c'est dans le coffre d'au-dessus, bordel de merde. Et quoi? Les pots de loup. En tout cas, c'est bien, on a 16 cristals. Je sais pas si ça sert à quoi, mais ils sont là. Il est là. Ouais, tu viens juste en, on va aller refaire le fiac à... Ah. Attendez. Ça sera notre petite vendetta sur. C'est quoi sur moi je me mets un malus, je mange pas. C'est combien de têtes de cerf? Deux, je crois. Genre deux ou trois, un truc comme ça. Et on fait quoi? J'en ai pris quatre. J'y vais sans bouffer. Du coup, Justine, ouais. tu bouges? Oui. Je suis à 7 FPS. Bah super. Pourquoi c'est lag autant? Justine. Oh là là! Il va se calmer le vieux, hein? Oh! Il est revenu. Tellement hâte de lui refaire le boule. Attendez, moi je vais pas le lui. C'est bon, il est là. Mais je suis même pas là, le mec il l'invoque déjà, je suis pas là quoi. Non, ah, mais c'est là oui. Merde, je l'ai plus loin. Il va spawn ici. Daniel. Mais vous lui ouvrez le pion, je l'ai même pas vu. Daniel. Mais je l'ai non, même mais... pas vu. Yo, la bêtise, Timber. Bah voilà. J'ai même pas eu le temps de lui en foutre une. J'ai pu lui mettre un coup de couteau. Il lui foutre une coup de hache, elle va tout péter. Et bah sachez que j'ai tellement lagué que j'ai pas vu le combat, mais je l'ai buté. Waouh. C'est parti pour un round 2. Vas-y hein. Ça sert à rien mais moi ça me fait plaisir. Et il m'a mis un point de dégâts. Par contre il prend les armes en argent. Ah oui, là bas. Salut. Couteau. Ah très difficile en tout cas. Ah, j'avoue que en vrai c'est un petit plaisir. C'est avec putain de guet-apens là. Ça on aura. Le pauvre. Oh, le bolos comme. Maintenant on va avoir le trophée des tirs en deux plusieurs fois. On va l'accrocher dans la maison, c'est pas grave. Ah ouais j'avoue. Oh ah j'avoue. Oh, on met un trône et on le met juste au-dessus. Oh ah là oui hein. Tous les jours. Oh là là. Tous les jours on fait ça. Ah j'ai le corbac. Hein attends, c'est la première fois que j'obtiens un trophée. Non mais en fait t'as pas dû avoir le trophée du premier boss. Du coup, bah au deuxième il est pas censé te le donner parce que t'as théoriquement déjà eu le premier. Ah c'est vrai. Je pense que ça vient de là.
C'est vrai, c'est vrai. En vrai, faudrait qu'on refasse le haut. Bah, y a pas tant de... En vrai, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de meubles au fur et à mesure. Ouais, mais qu'on décore un peu le haut, parce qu'en vrai, là, y'a rien. Les boîtes servent... Ça... Bah, en vrai, ils servent à rien. Ouais. Là, on a des morceaux de bois très durs. En vrai, on peut mettre ça dans... Bah, au pire, les loot de boss, on peut les mettre au-dessus du coffre à trophées, quoi. Oh! Regardez le gadget. Oh! Mais mets-le en haut, là Roger, il était bien, Roger, il était bien, remets Roger. Tiens. Et du coup, on a deux têtes. Et moi aussi, j'en ai une. Ah, tu nous as manqué, Roger. Bah ouais, là, non, mais là, j'étais dégoûté, hein. En vrai, j'ai trop envie de faire un trône. Genre, j'ai trop une idée de... Fais-le! Non, mais... Le trône, j'ai trop... Je sais où je... Fais-le, parce que t'avais envie la dernière fois, mais on peut se le permettre. Faudrait que je tège mon lit. Bah, faudrait qu'on les déplace tout court, en fait. Tu vois, déjà, j'ai mis l'établi là, là. Là. Comme ça, on a de la place dans les couloirs. Genre là, je peux dire le trône... Ouais, on a compris la blague. C'est bon. Mais en fait, le problème, c'est que pour les lits, il faut du feu. Il est très beau. Genre comme un Jarl. Ah mais là, attends, mais il passe pas dans le toit. Si, un peu. Mais le problème, c'est qu'on peut pas vraiment mieux le faire, en fait. Ah mais dans l'extérieur. Mais ça se... du radis. Peut-être pas, je crois pas. Je sais pas si ça se voit. De toute façon, c'est le côté où on le voit moins. On voit le moins. Ah oui, parce qu'il y a la forêt juste après. C'est... Franchement, je pense que s'il dépasse, c'est pas très grave. En vrai, sinon, on remet un feu... Le problème c'est que il y a la fumée, hein. Oublie pas la fumée. On remet un feu là. On peut. Et après je sais pas, avec tes nouvelles compétences de toi, est-ce qu'on pourrait pas le foutre à l'étage? Genre on fait une vraie cheminée? Ah mais le feu on peut pas le foutre à l'étage. Ah oui c'est vrai, faut un sol rigide, c'est ça? Ah en fait faut pas un sol en bois pour mettre du feu quoi. C'est assez logique en soi. N'est-ce pas Minecraft? C'est casse-cul en vrai. Sinon, ce qu'on peut faire, on peut. Déjà, attends, avant de. Est-ce que t'es sûr que tu voudrais foutre les lits ici? Ah non, bah rien ne nous oblige à les mettre là. Quoi. Non, je parle pas d'obligation, je parle de. Est-ce que ça serait mieux pour la déco après? C'est vrai que le trône ici là. Avec. En fait, les lits, c'est surtout que ça nous sert de point de réapparition. Ouais. Après, on peut trouver des. En bas, clairement, il n'y a pas assez de place. Sinon, on met les lits dehors, hein, mode. Balai. Il faut un toit. Ah oui, putain, c'est. Il faut un toit. Un toit et du feu. Non, mais en vrai, on pourrait les aligner là. Attends. Non, mais au pire, on attend. Mais déjà. Déjà, rien que le trophée, ça s'habille un peu, tu vois. Ouais, puis ça fait de la lumière. Parce que y'a quoi comme meuble? J'oublie à chaque fois ce qu'il y a comme meuble, mais y'a pas grand chose. C'est quoi ça? Lit dragon? Mais oui, c'est ce que j'ai vu la dernière fois. Oui, j'avais jamais vu. Moi je le trouve pas. Tous les jours je le veux. Ça vous pourrez enfin baiser. Oh, tous les jours je le veux. C'est. Oh, il est trop bien. C'est vrai que le trône, oh là là, il pète le cul. Genre, mais en vrai, là. Là, en plus, en vrai, j'ai déjà une idée, c'est que tu mets juste les petits escaliers, là. Ah oui, ceux-là, là. Mon dieu, mais le lit dragon, il coûte cher au niveau ressources. Ouais, en vrai, écoute. Bah, pas tant que ça, en vrai. Écoute un peu quand même. C'est surtout bois précieux et fer qui est chiant. Mais le reste, ça va. Là, c'est les plumes, comptez. Là, tu mets deux petits escaliers, là. En plus, ça prend un truc dégueulasse, quoi. Et le trône, bon. Il est beau. Mais bref, on... Mais venez là, on va faire la montagne de l'aîné là. Oui. Ah, on part direct. Oui, attends. Bah, on a rien à faire. Attends, faut juste que je revienne un tout petit peu mon fiac. Non, pas ça ici. C'est juste préparé mon... J'en me prends, fais des flèches. Les flèches, c'est bon. Je prépare mon stuff. Je regarde des ruches. Et c'est type 1.
Oh, j'ai eu pendant 2 secondes la caméra dans Denis, enfin Roger, pardon, et je... Je suis assez choqué de ce que je viens de voir au final. Tu as vu une belle bouche, une belle dentition. C'est quoi déjà la suite des priorités avec le l'argent? T'en as rien en argent. Bah en vrai, c'est juste finir notre stuff. Ouais. Parce que là, niveau stuff, moi je suis pas trop marre. Bah, en vrai, juste... moi ce qui me manque, c'est juste casque et jambes. Et après, ça va être de l'amélioration de stuff. Quoi. Qu'est-ce que... Oh, merde. Fais-moi toutes ces chiasses, voilà. Bon, commence à avoir un peu de miel, il y en a 71 dans les coffres. Et j'en ai 20 sûrement en permanence, mais j'en mange pas. Moi j'en ai 13 sur moi, mais là j'avoue que je garde tout. Oh, on a qu'un seul de pierre. Parce que je crois qu'il coûte 20 en argent d'améliorer mon arc, mais c'est pas la prio non plus. Oh oui, il est beau lui, il est beau. Du coup, on partira en bateau? Bah, si on veut récupérer de l'argent, oui, on n'a pas le choix. Parce que, perso, en obsidienne, je suis pas mal. J'ai peur que ça soit un tout petit biome. Biome montagne. J'ai peur qu'il soit tout petit. Hein. Parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout du biome marin, il continue, il me semble. En vrai, il y a moyen. Sinon, en face de l'île, il n'y avait pas des montagnes? C'est... En vrai, est-ce qu'on irait pas vers le nord-nord plutôt? Je veux dire, non, non. Tout droit en face là. Je vois vraiment tout droit. Genre l'île qui est juste en face de nous? Non, plus loin. Parce que, à part cette île, on n'a rien vu au nord. Bah, l'île qui est en face de nous, en vrai, je crois qu'il y a une montagne. Elle est petite, mais peut-être elle peut valoir le coup des. Mais elle est trop proche du centre, c'est ça le truc, en fait. Donc en Méditerranée, des fois que. Non? Bah, quitte à prendre le bateau, autant aller plus loin que ça. Enfin, c'est ce que je pense, après... Ramener de quoi faire un portail. Ah ouais. C'est vrai. On s'est baisé une fois, mais pas deux. Oui, c'est vrai qu'on avait trouvé un deuxième spawn à masse. Non, c'est déjà parti. Si, on avait trouvé deux spawns. Je suis dans le bateau, hein, je suis pas parti. Hein. Calme-toi. Oui, mais c'est déjà parti, quoi. Alors, dis deux. 10, ah oui, parce que 20, justement 20. Je voulais vérifier qu'il y a bien le minimum nécessaire. Là, sans ça, on était tous baisés. On devra chercher des cœurs. Oh, on ça, a assez pour faire ouais, le portail. Ouais. Oh. Déjà, on sait déjà au loin où il y a un marais, quoi. C'est pas mal. En vrai, soit on part au nord, soit on part au sud, quoi. Parce qu'en vrai, on a surtout fait ouest et est. Ouais, moi, je suis team full nord. Là-dessus... On peut faire le contour de l'île, ouais, j'avoue. On peut faire ça. Je vais en construire un ici. Comme ça, on va pas se faire touiller. Ah, ça y est, les graines de navet sont prêtes. Et là, ça va nous faire une chier de navet en vrai. On pourra faire des soupes. Parce que là, ça devient froid. En vrai, c'est une bonne idée que t'en as de le faire avant. Faut juste lui donner un nom du coup. Montagne. Bon, voilà. C'est classique. Ce que je pensais là quand j'étais en train de PC, si jamais on décède pas et qu'on veut quand même rentrer en express, on est bien baisé si on n'a pas donné de nom quoi. Tu l'as mis à l'envers. Super. Moi je suis prêt. Bon, le seul prérequis c'est de voir les hiéroglyphes et tu l'as pas fait. Je suis prêt à faire un bacal et qu'on croise des serpents de mer. Voilà. Non. Je vais refaire une petite préfection. Donne des donuts. Ah, on fait une petite prédit? Non, mais ne sautez pas dans l'eau. Oui, alors. Oui. Juste, voilà. Ah oui, t'as pris le bois précieux. Ne sautez pas dans l'eau. Bah, en fait, tu peux. On a le vent en plus, on a le vent dans le dos là.
Moi je voulais pas sauter dans l'eau. On était quand même sauté dans l'eau. Les go, on est pas dans le dos. Ah bah c'est bon. Il engueule le capitaine. Vous attendez moi en fait. Là, c'est le monde qui sauvegarde. Du coup on explore pas l'île en face. Bah je pense que c'est une perte de temps. Sans vrai aussi. Oh, parce que le biome il sera vraiment tout petit. Encore c'est haut. Encore c'est au fond. On peut plus vraiment en fait. Ils sont trop profonds pour nous, mais trop haut pour le bateau. Petit serpent là, petit serpent. Mais en vrai, quand on regarde bien, je pense qu'ils sont avec un saut ces montagnes. Là, je vois rien à cause de, du mât. Il y a trop de brume. Je vois quand même. Ah, il y a quand même des gros reliefs. Hein. On peut, ouais. Peut faire un tour si vous voulez. Hein. En vrai, j'ai envie de dire autant qu'on garde de côté parce qu'on est vraiment à côté de la maison. Ouais. Ça me ferait c'est... chier de mettre un portail si proche en vrai. Ah ouais, en vrai, ça servirait même à rien. Non, autant en fait, un point d'accroche très loin dans le monde. Ah, évidemment, on part à peine, paf. Ah ouais. Déjà, on n'a pas le vent dans la gueule. C'est pas mal. On va pas se du coup, on va pas être pas l'île. Non, non, non. Ok. Non, mais on va mettre ça... notre besace à plus tard. Non, en plus, on sait que c'est pas très grand, donc en vrai, genre, c'est si on a besoin d'un truc qui dure pas très longtemps à faire, donc c'est parti. Ah, c'est épique quand même. Ces épopées là, moi ça me. Ça m'aime. Ah, ça fait du bien d'avoir le vent dans le dos, bordel. Ouais. Au retour, on va pleurer. Hein. Mais attends, le vent, il peut encore changer. Il est très beau cet arc, je l'aime beaucoup. On dirait un peu l'arc dragon dans Skyrim. Je sais même plus la tronche qu'il a. Ah, il a à peu près cette gueule-là, mais un peu plus moche dans Skyrim. Là, il est classe. En plus, il fait de la lumière. Waouh! Et puis là, si on tombe à l'eau, on est bien baisé. Hein. Oui. Non, il y a le bâton Y. Oui. Tu cabres les bateaux, toi. Il y a une île à droite, non? Je vois rien. Je vois un arbre. À droite. Ah, ouais. Ah oui. Oh, il y a une giga... Attends. Je ne sais pas si c'est le fond de la map, enfin le décor, là, le JPEG de la grosse racine qu'on voit, ou si c'est une giga, giga, giga montagne. Je vois plus. Non, ça devait être le décor. Non, c'était le décor. C'était la grosse racine. C'était ça. Parce que franchement, je voyais un truc. On cabre. Ouais, on cabre. Mon cabre sec, chef. En fait, avec la pluie, c'est chiant parce qu'en vrai, on voit pas grand chose. Et voilà, on monte sur les gauches. L'île à gauche, elle est plutôt grande. Toujours pas de serpent. Regarde un serpent là. Tiens. Allez, un petit. Wow. Des mouvements brusques. Nice. On est vraiment en pleine mer là. Oh. Maintenant, on sait qu'on perd pas nos stuff définitivement en mer, c'est bon, on peut s'aventurer, y a pas de soucis. Oui. Il y a pas de grand type. Hein. C'est très bizarre comme bug visuel. Oui, tu la vois vachement la racine. Ah, je parlais pas de ça, je parlais dans le bateau. Ça me le fait plus. Y a un truc à gauche là. Ouais, what? Mais je crois que c'est la racine aussi, hein. Ça me paraît bien gros. La racine, ça. Je sais pas, je vois rien. Ah, par contre, là en face à gauche, il y a une montagne. En face tout court. Ah oui, il y a un truc, ouais. Merde, j'ai peur de ça. Là, on explore des terres inexplorées.
Il y a un marais juste à côté. Je suis humide, Captain. La montagne est en train de marais. T'es sûr que la montagne, c'est pas un marais? Parce que je vois des arbres crever quand même vachement dessus. Ah non, ils sont devant. Si, ils sont devant, voilà. Pas chier. Où est un ouf? Non, je vois même pas de montagne. Pourquoi vous parlez? Ta render distance est peut-être pas ouf. En fait, c'est surtout qu'il y a des gros nuages de flotte et je vois air. Mais... Ça s'appelle de la brume. En tout cas, on a le vent quasi dans le dos et ça, c'est beau. Ouais. Là, tu dois vivre des émotions très fortes, toi, à chaque fois que t'es ici. T'as vu? Je mène le bateau. Appuie sur espace. Non. Mais dis pas des conneries comme ça, on va perdre 30 ans s'il fait. Ça sera drôle. Wow! Mais pas cher. Mais ouais, c'est à cause des... Ah, à gauche, il y a une bâtisse. Ouais. Et là, on est en prairie. On s'arrête pour la bâtisse? Non, on va aller. Il y a un cerf. On peut regarder un peu ce qu'il y a autour. Déjà, il y a un marais. Ouais, au loin, il y a un marais. En fait, je vois pas, les arbres, ils bloquent toute ma vue. En face, il y a une forêt noire. Il y a un marais qui est derrière nous. Ah, il y a un petit village, semblerait, par là aussi, par là. Ou une cahute, du moins. Plus une cahute qu'un village, je pense. Parce que les villages, c'est que... Que dans les plaines. Les plaines, mais c'est l'esprit de gobelin. Moi, je parle d'un petit village de cahute. Ah, d'accord. Un petit village de cahutes. C'est les cahutes, elles habitent dans un village, hein. Tu sais, Johan, ça arrive. Le truc, c'est que les montagnes, c'est quand même relativement dans les terres. C'est pas en bord, je pense. Assez rarement en bord. En tout cas, plus on va vers le nord, plus on a de chances de choper ce qu'on veut, de toute façon. Mmh. Les montagnes, ça marche comme ça. Hein. Je sais pas. Disait que ça fonctionnait comme ça dans tous les biomes. Après, est-ce que c'était vrai? Est-ce qu'ils ont bien testé? Aucune idée. De toute façon, on peut longer la côte, on perd pas grand chose là. Ouais, parce que je suis en train de faire. On va croiser des plaines en fait, je crois. J'imagine qu'il existe une commande pour. Oh oui, c'est des plaines, il y a des gobelins! Ah oui, bonjour. Éloigne-toi de la côte, on peut se bouffer des moustiques dans la gueule. C'est vrai qu'attends, on a tous 25 PV. Hein. Attends, je vais manger des baies. Non, mais... C'est bien vu, en plus il y en a juste à gauche. Hein. De quoi, moustique? Ah oui, ouais, je l'ai vu. Enfin, je suis quand même pressé qu'on explore. Attends, les c'est plaines, ça le biome plaine? Si, c'est écrit plaine. Ah, mais attends, mais il est qui le biome plaine? Ah bah oui, il est. C'est quoi cet immense caillou qui se dresse? Ah, on a le vent de face, bien sûr. Le caillou, il est dressé. C'est un rocher peignant. Il y a un gobelin avec une épée et un bouclier là-bas. Où ça? Là. Là, il est tout seul. Là, je le vois pas. Paf! Tu l'as bien trigger. Je l'ai mis dans la gueule, mais là, il va rien faire. Je l'ai même pas vu, mais j'ai vu que tu l'as touché. Il nous suit quand même. Oui, il va à la nage. Il va à la nage, hein, il est déter. Moi, je le vois pas. Ouais, c'est le jeu me bute parce que je vois que tu le touches, mais je ne vois pas l'ennemi. Je crois que je touche son bouclier. Ah, il a dit. C'est très bizarre. Il y a pas une entrée dedans, c'est juste un autre caillou. Je pense que c'est un caillou. Oh, j'ai cru que c'était des moustiques, les mouettes. Ah, mais il y a des gobelins juste à côté là, en plus. Où ça? Là, en face, au plus des cailloux. Ah oui! Mais je vois R. Mais ils nous en veulent! Non. Ah non, il s'approchait, je croyais qu'il voulait nous ouvrir le fiac, mais. Ça d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a pas mal de boulot dans les plaines. Ça fait du bois précieux. Et c'est des cactus, ils sont barrés. Il y a quelque chose qui ressemble. Ah oui, c'est fait, c'est minuscule les plaines. Enfin, celle-là en tout cas. Et alors par contre le fait que le caillou soit comme ça dans les plaines, je me demande si ça n'a pas un rapport, parce qu'on en a jamais vu des comme ça. Je pense aussi. Il est quand même vachement spécial. Ouais. Oh, ils viennent de spawn les Nox.
Oh oui. Les bollocks. Les gobelins attaquent les dingueries. Et... ou alors c'est des squelettes, je vois pas assez bien de là. En tout cas, il y a une dinguerie qui se bat avec quelque chose. Je crois qu'il y a un lox qui est vénère. Ah ouais. Ah oui. Le lox, il défonce les dingueries. Dis donc, je... tu m'étonnes. J'en doute pas. Bizarrement, ça là, je te crois là. Et on s'est vraiment chié à faire le tour de cette île. Bah, le problème c'est que. On n'a pas. Ah oui, c'est vrai qu'on fait le tour là, on revient sur nous quoi. Bah, je croyais que c'est ce qu'on faisait. Ah bon? Bah, c'est ce que vous m'avez dit de faire. Vous avez fait. Bon. Moi, je pensais qu'on était plein bas, pleine balle vers le nord. Ah, on l'a on longeait jusqu'à ce qu'on. Là, on retourne sur nos pas quoi. Bah, dans ma tête, c'était on longe. Et si au bout d'un moment ça nous lâche, bon là je continue vers le nord. Quoi? Ah. Tout plaqué pour aller au nord. C'est notre vie. J'ai pris un gros risque. Ça oh putain oui! J'aurais pu te pousser. Oh, j'aurais dû te pousser. Ça prend du temps, mais ça... La manœuvre prend du temps. Ça a beaucoup de couleurs que j'ai en... de ce que j'ai en face là. C'est parti, c'est partout. À gauche le rouge, à droite le bleu. Ah oui, c'est très beau. Fais un petit screenshot, tu m'envoies le paper. Voilà. Putain, mais tu l'as vraiment fait. What? Pourquoi on est sous l'eau? On coule, mon capitaine, hein? Non. Si. Oh, t'as pas vu ce qu'on a vu hein. Si le bateau il était un peu trop dans l'eau. Il était quand même vachement dans l'eau. C'est qu'à gauche là on dirait qu'il y a des montagnes. Bah oui. Ah ouais. Ah on tente. Ah la vache la frayeur, je croyais qu'on coulait vraiment. Plein gaz. Et aucun serpent. D'ailleurs aussi on dirait qu'il y a des montagnes. Mais elles ont l'air très hautes pour le coup. Celle-ci en face, ouais. Mais attends, mais y'a pas des plaines du coup en face ou c'est une prairie? On va regarder. De toute façon, on va pas se poser direct. Y'a un marais à côté. Ouais. Et y'a une prairie à gauche, j'ai l'impression. Ouais, c'est une prairie. C'est ça. La prairie semble plus accueillante. Ouais, c'est pour ça que je vais à gauche. Ah, y'a un cordon blanc. Non, c'est des plaines. C'est une plaine. Une plaine. Ah bah les marais c'était plus accueillant. Tout quoi relatif. Si on fait assez loin du camp de gobelins, je pense que ça peut valoir le coup si on fait que passer. Moi je pense que c'est le plan Q. C'est un plan Q aussi je pense. Moi je j'opte pour plan Q. Mais c'est vrai que les locks ça peut spawn un peu partout. Bah y a pas que ça, y a aussi les moustiques, c'est petit, c'est rapide et ça te baise en quelques secondes. Je propose qu'on continue. Hein. C'est une manœuvre. Mais attends. Chez Chouné, il a testé pendant combien de temps le jeu? Parce que ça fait 65 heures qu'on joue. On les a quasiment jamais vus. Ah, tu fais demi-tour carrément? Bah, on m'a dit plein nord, je vais plein nord. Hein. Mais ça, c'est pas plein nord. C'est con, on voit la montagne de là. Mais en vrai, si on longe, on peut peut-être trouver un endroit où on peut passer sans que ça soit. Ou clair, ou. Voilà, là, c'est ça. Elles ont l'air franchement bien, les montagnes, je pense. On est où sur la map? Ah mais oui, j'avoue, je viens de voir qu'il y avait une montagne, on la voit. Oui, non, mais on la voit déjà là. Là, on est quasi sûr qu'il y en a une, quoi. Mais c'est même pas quasi sûr, c'est sûr, on voit la neige. C'est sûr, voilà. C'est pour ça que vous dites plan cul, mais regarde la distance qu'il y a entre la rive et la montagne, franchement... Ouais, mais le temps qu'on monte, le moustique, il arrive vite fait. Ah oui, non, mais je suis d'accord, mais... Moi, j'aurais été en solo, je l'aurais fait. Puis même, je pense que t'as pas remarqué, mais la montagne, de l'autre côté, elle est très raide. Je pense que le temps que tu montes, le moustique est largement le temps de te baiser. Ah bah oui, je dis pas. Puis il y a les loups qui t'attendent à l'étage en plus. C'est cool. C'est vrai. Après, s'il y a une petite prairie... S'il y a une prairie, on peut s'accoster, on peut se permettre d'accoster, mais s'il n'y a pas, on oublie. Hein. Ouais, bah, en vrai, prairie ou forêt noire. Prairie, oui, ce serait... Forêt noire, oui. Mais si on peut éviter les spawns de géants, de trolls, pardon, ça serait nice. Ouais. Parce que on a mis le portail juste à côté d'un truc de géant. De troll, pardon. Et il y en a souvent qui spawn quand on prend le premier portail qu'on a mis. Ah, c'est vrai.
puis ça peut vite péter le bateau. Ah bon. Autant qu'il meurt, ça. C'est vrai. C'est que les locks, en tout cas, ça met 2-3 coups, ça pète le bateau. Non, 5-6 parce que il était mid-life. Même un peu plus, parce que je crois qu'avec ce qui restait de vie au bateau, genre ils en avaient mis 4 ou 5. En tout cas, vous inquiétez pas, messieurs connards, je vous protégerai des odieux moustiques. Peut-être que moi je les ai jamais vus taper les moustiques. Nat, il les a mangés. Oui. Et puis, il s'est approché de toi, t'as explosé, ça m'a tué. Ah oui, mais non, mais vraiment, t'as 25 PV, tu te fais one shot. Ah, les moustiques plus dangereux que les trolls, quoi, c'est vénère. Oui, mais non, mais apparemment, la positionnée, c'est vraiment le pire troll. Oh, le Lox possible. Ah, mais il y a une grosse tour là en face ou c'est un gros caillou? C'est un gros caillou. Oh. Attends, quoi? Oui, là-bas, bah, ça serait bien un caillou, je pense que c'est un menhir. Ah oui, bah, le coupé. Ah, j'ai. Je suis tellement. Ah, mais à côté, il y a aussi une flèche dans le fion, ces gros trucs. Bah, tu peux, hein, on est dans la mer. Je vais te dire. Il se tape contre quelque chose. Je crois qu'il m'en veut. Il va beaucoup à la nage. Éloigne-toi de la mer. Va en mer, va en mer, va en mer. Attends. Une course quand même pas mal. On est en bateau, c'est un gros truc qui flotte à peine. Ah, mais je te rappelle qu'on a le vent. Ah non, c'est bon. Je le viole, c'est bon, il fait déjà demi-tour. Oh. Et ouais, il y a pas mal de menhirs dans le coin. En face, on croise une autre forêt, je crois. On croise une forêt noire en face. Je crois que c'est forêt noire, du coup, en vrai. Mais je me demande, est-ce que c'est vraiment une montagne? Ah oui, je vois de la neige, c'est vraiment une montagne. Non, non, mais oui, c'est sûr. Quoi qu'il en soit, faudra qu'on traverse la plaine. Hein. Je pense que j'ai le malheur de vous informer de ça. Non, mais... non, au fond. Quoi? Ah oui, au fond. À droite, il y a du méchant. Il y a du feu qui se balade là-bas. Oui. Ah, mais c'est surtout, en fait, on est à terre. Ah! Attends. On a un vrai problème là. Non, je recule. Faut que l'eau monte, mais t'inquiète. On a assez de plan. Vite, monte. Voilà. Je te ai sauvé la mise et je suis encore vivant. Le problème, c'est que. On se pose où? En forêt noire déjà. Faut pas qu'on se mette à 20 km non plus, quoi. Mais ça va, c'est pas trop long. Par contre, ça me trigger vraiment qu'ils aient choisi un truc qui ressemble à du désert pour définir les plaines. Ouais, j'avoue. Ça me trigger, mais à un point... Pourtant, les plaines, c'est pas si vous êtes plus vert. Je sais pas. Bah, plus fleuri, il me semblait. Ah non, c'est peut-être les prairies qui sont plus fleuries, je sais pas. Bon, là, c'est une forêt noire, on est d'accord. Oui. D'accord. On peut... Ouais, là, c'est bien, une petite petit bout d'île, là. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Faudrait bien poser le bateau sans se faire chier avec l'île. Est-ce qu'on poserait le portail ici? Je pense que ça non. Serait le mieux. Non, clairement, si on posait pas poser le portail, autant directement le poser dans la montagne. Parce que imagine devoir courir de la forêt noire jusqu'à la montagne, en traversant une plaine, en plus, si on doit le faire. Mais autant, autant faire une petite casse-bas, genre une petite cahute. Ouais, dans les montagnes, quoi. Ok. On coupera du bois. Par contre, le bois dans les montagnes, il donne quasi rien. Ouais, mais autant au nord, en forêt noire. Oui, ou à la limite, on prend de la pierre dans le. Je vais pacifier la zone, hein, si tu demandes ce que je vais faire. Ok. Merde, j'ai pris du miel, je voulais pas. Oh merde, je suis tombé. Non, c'est bon. Oh, chaman Ningri, une étoile. C'est une première, ça, non? Je crois. Non, pas du tout. On a déjà vu. Je sais pas, moi, je me rappelais pas. En tout cas, ça décède. Tu me laisses là, le bateau? Mets-le dans cette petite zone là. Je récupère du bois maintenant. Déjà, vraiment... je marque sur la map. En fait, j'y pense, mais moi qui veux me construire une base dans les montagnes, je vais peut-être le faire. Je vais peut-être construire la base dans les dans la zone du boss en vrai. Je récupère du bois maintenant vu que c'est facile et que ça en donne pas mal. Je vais peut-être le rapprocher un peu le bateau. Prenez de quoi faire le portail, hein. Faut pas le laisser dans le bateau, ça serait trop con. Oui. Bah attends, je vais le prendre. La grande armée. Là, c'est pas bon. Et c'est un spawner en ingris? Ah non, c'est les charbons. Bon, j'ai de quoi faire le portail. Bon, le bateau est pas très loin de la terre. Donc,
Non, mais si on peut déjà poser le portail, il prend du bois de la maison. Bah non, non, autant garder le bois à la maison, là il y en a plein. Oui. Enfin, je sais pas, je trouve ça bête de poser le portail et faire un aller-retour juste pour ça, quoi. Je trouve surtout que tu t'en comptes pour rien. Le matos, il a été pris du coup. Oui, je l'ai, je l'ai. Il y a le grand sorcier d'ailleurs. Je me complique pas forcément. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Yohan? Ah bah oui, je pensais. Ah oui, il y a le sorcier, salut. Salut, Jackie, hein. Où ça? À gauche, là. Bah, il a disparu. Bah, j'ai jamais vu. Oh, il fait un dégât, la brute. 1,4. Putain, je vais mettre mon coup d'estoc. Oui! Timber! Oh, il s'est stoppé! Aïe! Chaman. Bonjour le chaman! Non, le trou il est dans l'eau! Ah, il a voulu chier de boire au but! Après, on n'a pas besoin de 20 000 bois non plus, là j'en ai 45. Non, en vrai, on fait un truc genre bah, comme notre première maison quoi. Ah oui, pas besoin d'un giga truc, juste la place de mettre un portail, peut-être un établi. Pas même forcément un établi. Avec un toit aussi, pas qu'à faire. Ah bah oui, par contre oui. Par contre, je vous dis, en fait, je viens de réaliser, mais je pense que je vais construire mon le fort dans la montagne du boss, vu si elle est grande. Oh putain! Bah en vrai, ouais, ce serait bon bail. Ouais, parce que comme ça, elle serait utile, et j'aurais pas construit pour rien. Putain, en tout cas trop bien que je puisse taper, enfin, l'ennemi puisse me taper, mais moi je peux pas taper. Ah ouais, j'ai vécu la même chose. Ah c'est vraiment... Super, le rondin m'écrase le doigt, l'orteil, je prends 0 dégâts. Ouais, je pense que moi je suis pas mal en bois, j'en ai 51. J'en ai 34. J'en ai 27. Wow. Allez, go rush là. Alors, on va pas rush la plaine tout de suite, on essaye de voir, essayons de longer plutôt la plaine si on peut. Mais de toute façon, en vrai, je pense qu'on est obligé de passer par la plaine. Dans tous les cas, on va être obligé de la passer dedans, donc... Ouais, mais autant l'allonger un maximum afin d'être sûr qu'on soit obligé, quoi. Moi, je serais pour qu'on passe dedans comme des gros sales. On n'est pas équipé pour les plaines. Non, mais on a de quoi survivre. Là, j'ai 114... Ce qui me bute, c'est le gars qui voulait absolument qu'on se pose dans les plaines, qui dit ça. Moi, ça me termine. De toute façon, on n'est pas équipé pour les affronter, on va pas les affronter, on rush un max possible. Donc on me ment pas, j'ai vu un chardon là. Ah, on me ment pas hein. Dans ce cas, on devrait peut-être prendre Ektir avant qu'on parte dans les plaines. Bah attends, déjà qu'on trouve la limite. On n'est pas loin, on n'y est pas encore, on n'est pas loin, mais on n'y est pas. On n'y est pas. Il y a un squelette qui te suit. Bah il... Oui il... À un moment, il a hésité, il s'est dit « Non, je vais prendre vous » et il est revenu vers moi. Ah, le temps que tu mettes ton premier coup, j'ai eu le temps de mettre deux coups d'épée. Oui. C'est terrible. Je pense que c'est... Donc là, on est à bordure. Là. En lisière. Waouh. Le gros caillou. Je vous dirai quand activer parce que moi j'ai plus d'ombre. Il y a le gros caillou. Putain, oui, le gros menhir. Et que c'est un beau rocher peignant. Ah oui, non, il est dressé. Oh, il y a une cahute là-bas. Plaque bière. Base d'hydromel, bonne endurance. Oh, il y a plein de plaques bière. Plein de quoi? Je sais pas, mais on prend, on sera las. Oh. Ah oui, de la plaque bière, d'accord. Mais y a vous une avez tour de vu le petit temple à Athéna là ou? Ouais, il y a un truc de gobelins, il y a des gobelins dedans d'ailleurs. Là, non, on y va pas. C'est des squelettes, je crois. Ah non, c'est. Non, c'est des gobelins. Il a l'air si beau. Bah, par contre, c'est beau. Il y a un escalier un peu. Il y a un coffre. Le gobelin vient vers nous. Gobelin. Bah si on le tue, on peut au moins loot son truc. Listen. J'arrête pas de le rater. Il y en a un autre. Piastre, morceau de son brassier. Piastre. Je vois le beau coffre en tout cas. Il est RTB lui par contre. Ah, il y a un client surface là. Attends, faut le chlasser lui. Avant. Oh oui! Oh non! Je l'entends rire. Il est mort. Bah oui, je l'ai défoncé. Je laisse les yeux de Ningri. Oh, j'ai eu un trophée de gobelin! Waouh! Et est-ce que ça, c'est un arbre qu'on connaît pas?
Non, c'est... Ok, les espèces de trucs, c'est juste du bois. Waouh, par contre, c'est trop beau là-bas. C'est trop beau. Les arbres blancs. Ou alors, je suis daltonien. Non, c'est du boulot, ça. Mais les feuilles ont l'air vachement blanches quand même. C'est hein. du boulot, c'est du boulot de plaine. Yoann, attends. Je prends de la plaque bière, il prend de la plaque bière. Moi je suis là pour looter. Quoi, c'est quoi vos arbres albino là-bas, 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 en face. Là on regarde. Ah oui, du coup on prend un tir ou pas? Je pense avec la lumière. Bon, en vrai là ouais. Je crois qu'on est vraiment à côté hein, de la montagne. Ouais, bon on a fait un petit chemin. Il y a les arbres blancs en face. Par contre, c'est bien, les moustiques ont l'air d'être assez rares. Bah, ils sont peut-être plus au bord de l'eau, parce qu'ils aiment bien l'eau, les moustiques. Normalement, ah. Oui, mais... Oh, une pierre, pierre, pierre. Attends, je vais lire. C'est prêt... Du fer. Ça fait un moment qu'on a le fer, monsieur. Ouais. Par contre, ce gros caillou-là... Attends, je peux pas le... Je peux pas lui piocher sa race. Je peux le piocher, hein. Pioche lui sa race. Bon, non, oh, tu peux. Tu peux le piocher sa race. Oh, y'a des locks à côté. Y'a du gobelin aussi dans le coin. D'accord, mais c'est juste de la caillasse. J'ai entendu gobelin, mais je les vois pas. Ah, si, là, vu. Ils sont sur moi. Mais attends, mais t'imagines, tu casses le pied de ce caillou là. Toute la pierre que t'obtiens, c'est ce qu'a sa gueule. Tape un peu, hein. Il a fait du combien? Il tape un peu, les fils. Hein. Il a fait du combien? Oh, y'a un loup. Vu. Je l'ai totalement pas vu. Par contre, faut m'aider, hein. Mais j'ai plus d'endu, je l'ai pas vu. Beau travail d'équipe, ça. Je le stun et tu le frappes. Ah, putain, mais je suis déjà plein du cul, quoi. C'est quoi ce délire? Bon, par contre, il a l'air grand, ce biome. Ah merde, j'ai un truc qui peut pas se TP sur moi. Oh. Du coup, on le mettrait où, notre cahut? Attends. Déjà, je monte pour être à peu près safe. Attends. Bah, je dis droit pour au centre de la montagne, non? Genre là. Voilà, au côté des arbres. Bah, et là, là, regarde. Dans l'espèce de petit creux, là. C'est assez ouais, plat. Ouais, bah, par là, justement. Ah, là, non, là, c'est bien, là. Là, c'est bien. Là où t'es, là, là ou juste... bien, en plus. Non, mais là, là, là où vous êtes. Là, il me semble que là, c'est pas trop mal, ici. D'ailleurs, le bateau il était marqué. Oui, oui, je l'ai marqué. J'ai marqué. Okay. C'est le rôle du capitaine de faire ça. Faut pas paniquer, hein. C'est le capitaine coup, il fait ça. On a ça, deux sans brassier. Du coup, on a deux de son brassier. J'en ai un aussi. Attends, ça peut se manger les plaques de pierre. Bah, c'est des champignons. Mais ça permet de faire des trucs. 800 c'est secondes, ça dure 10 minutes. J'ai posé plus. Ah, qui veut construire? Bah, en vrai, c'est juste faire une cahute de 3 sur 3. Enfin, genre. Je veux bien si vous voulez, mais. Bah, vas-y, au but. Attends, on va la gérer bien par rapport à ça. Hop. Voilà. On a les bases. Vous avez les yeux de dinguerie? J'en ai un. Tu les as pas pris? Je les ai mis dans un coffre en bas. J'en reviens. Ah mais moi aussi, mais en fait c'était pas ceux du bateau, donc je les ai pas... Mais en fait je suis full teubé. Attends, mais je vais t'escorter du coup. Bah ouais, accompagne-le, j'ai plus de chances de survie tout seul que lui tout seul dans les plaines. Oui, ça va, les montagnes on domine, mais les plaines... Ah en vrai, les gobelins ça va, ils tapent un peu, mais genre je peux tanker les coups, les locks... Bah après voilà. Les locks, si tu les approches pas trop, normalement... Oui, puis ils se voient de loin, quoi. Ouais. Y'a un moustique, fais gaffe, y'a un moustique. Putain. Ça mourrait pas à cause d'un moustique. Là, dans le ciel, hein, dans le ciel. Je vois même pas. Ah oui, là, putain. Fais gaffe, c'est ces trucs-là, c'est des connards. Ouais, j'avais compris. C'est le shaitan à l'état pur. 3 sur 3, vous êtes sûr? Ça me paraît petit pour foutre un portail dedans. Bah, fais comme tu veux. Fais... Non, mais fais-le. Fais comme le tout sang. Ouais, c'est ça. Où y'a un moustique? Oh, je les stun! Pas de 78 le moustique quand même. Ah, faut qu'on le bute en vrai.
Les moustiques ils donnent des dards qui permettent de faire des flèches. Il va comme une boule. En fait non, il tourne autour de la personne et après il lui fonce dessus. Ah par contre ouais, ça se fait one shot quoi. Bah tu m'étonnes, c'est pas très solide. Ah, en vrai c'est ultra simple. Il y a plein de moustiques qui viennent de spawn. Ah putain, moi. L'aventure. Ah mais attends, là ça pue du cul, on a deux moustiques. J'ai pas pu le bloquer, c'est bon, j'ai eu. Et pourquoi il me fait plus de dégâts, lui? Gros chien de la carte. Putain, quel chiennasse. Je me permets, j'aplatis le terrain parce que c'est un enfer, en vrai. Non, mais fait. Par contre, c'est un enfer de les viser en armant les... J'ai lâché mon bouclier au pire moment, je fais mourir. Non mais voilà, tu comprends mieux pourquoi les moustiques sont... Non mais en plus c'est le coffre juste là où j'ai mis tous les yeux de dinguerie. C'est bon, j'ai. Ok. On se casse. J'ai bien fait de venir, je pense que sans moi tu serais mort du moustique. Ah bah hein. Surtout j'aurais pas vu les moustiques donc je serais mort. Ça. Voilà c'est ça. Et en plus vu que c'est moi qui avais le truc pour le portail, c'est énorme. Bah après on aurait pu loot ton cadavre mais... Et il commence à pleuvoir, c'est super. Non mais c'est chiant, on va arriver en montagne, du coup on va geler. Oui. Quel enfer. J'essaye de faire un truc propre. Bon, en tout cas, j'ai compris pourquoi moustique égale chétan. J'ai compris. Petit, rapide, chiant à viser. Énorme dégâts. Vous gelez. Merci le jeu. Merci du prototype. Un drac. Ouais, mais ça. Ça rend ça. Il faut faire un feu aussi, côté, je pense. Par contre, en vrai, ça serait bien que l'humidité se barre. Bah, faut faire le feu pour ça. Attends, je vais le faire. Je crois que j'ai de la caillasse. J'ai 5 de caillasse. Attends, je peux en faire un feu. Bah je peux pas moi donc Par contre si tu peux faire ouais j'ai fait. Quoi? T'es mort Nat? Oui. Putain mais j'ai vu un truc volé, je me suis dit non. Je vais bientôt crever en fait si Justin tu fais rien. Mais attends mais attendez, t'avais 70 PV. Mais fallait me le dire, moi j'avais pas compris. Non mais j'avais 70 PV, le drac il m'a one shot. Mais je vais mourir de gel en fait. Mais tu veux la potion? Ouais vas-y. Tiens. Genre je suis mort. Adieu. Non mais pose le TP, Justin là. Pose le TP. Bah attends, je vais peut-être tuer le drac avant quand même. Attendez, il neige à la maison? Non, c'est un bug visuel, ça me l'a fait l'autre coup. Ah effectivement, il reste neigé. Du coup, j'échange des trucs qui servent à rien, parce que j'ai plus de place. Vas-y. Arrête de double-clic la souris. Oh, là, pose le portail montagne. Il manque un œil de dinguerie par contre. Hein. J'ai un œil de dinguerie, il me semble. Ok. C'est 10, t'es sûr? Ah oui, c'est peut-être 20. Ah, mais ma souris a double clic. C'est trop chiant. Non, mais le drac, il m'a one shot alors que j'avais 70 PV. Mais tu gelais aussi, hein. Ouais, mais j'avais 70 PV. Moi, je suis mort parce que je gelais. Alors, en vrai, la pluie, elle est tombée au pire moment, quoi. Oui. Nat, tu l'as appelé comment ton portail? Montagne. Fais voir. Montagne minuscule. On a mis deux S. Bah, c'est une montagne. Bah oui, mais moi j'ai mis un S de base. Putain, mais du coup on est encore humide. Ouais, mais au pire. Ah ouais, j'allais dire au pire on retourne à la maison. Mais... Ouais, mais on est à course fantôme. C'est vrai. Du coup j'ai drop les potions. Il y a 9 potions qui traînent dans le coin, j'ai même pas cherché à en mettre une. Ouais, non, mais j'ai une 9 sur moi. Qui était là. C'est vraiment pas nice. Et si vous vous demandez pourquoi je fais un truc aussi propre, c'est pour espérer ne pas avoir le gel dans la maison pour voir si ça fonctionne ou pas. Je pense que oui. Par contre, faudra faire un trou. Vous pouvez me drop votre bois par pitié. Ah oui, on fera un trou dans le sol, c'est pas très grave. Merci. Faut peut-être que je remette mon armure. Mais attends, il m'a acheté son bois l'autre. Ouais, parce que moi j'ai besoin de bois. Mais. Pourquoi t'as fait un truc de cuisine? Je
pas pourquoi, ça l'a créé, je voulais pas. Mais ouais, en fait, là, mais faut faire... Tu m'as redonné ta merde de sombre machin. Parce que je vais retourner chercher du bois. Non, mais je suis malade. Du coup, je peux plus rentrer à la maison. Je propose... Ah bah non. On aurait dû emmener les œufs en fait. Ah bah non, les œufs non. Pas maintenant, je trouve. Bah non, les œufs, je pense pas qu'on le trouve là dès maintenant, le truc de portail. Non, mais je suis débile. J'ai confondu le truc qui annonce l'emplacement et l'emplacement lui-même. Pas de bâchine. J'ai pas mis de porte. Nat. Quoi? Ouais. Quoi? Ramène du bois. T'as tombé, c'est quand t'es prêt. Oh là, le boss. Attends. Yes! Yes! Quoi? Elle ouvre cette porte. C'est la meilleure porte que j'avais vue. Elle était trop, trop bien. Mais arrête, double clic ma souris, c'est un enfer. Par contre, le toit, je sais pas comment on fait. Putain, mais depuis tout à l'heure, je gèle. Non, c'est terrible. Ah, faut que tu commences par les coins. C'est plus simple. De toute façon, j'ai pas besoin de faire un truc ultra beau. Tu fais les quatre coins et après tu rejoins avec. Genre comme ça. Merde. Alors par contre, faudrait que tu fasses un trou pour le toit. Ah oui, bah je le ferai en haut, tout en haut. Ah mais t'as fait un trou. Ah, c'est tellement bien foutu que même quand t'es humide et que c'est à côté d'un feu de camp, t'as juste froid. Bah on va le mettre dans un coin le feu, c'est pas grave. On va se débrouiller. J'ai pas prévu, en plus vous étiez un peu en panique. J'ai plus de bois. Quel bois? Là il m'a tout donné ce coup. Oh oui, le bois. Par contre Nat, viens là. Mmh. Ah tu veux redonner ce brassier, c'est ça? Voilà. Ah le coffre aussi, c'était ça que je voulais faire, un coffre. Dites-moi où on le place le feu, que je fasse le trou direct. Bah au pire tu... J'ai placé un feu derrière. Ok. Black beer. Du coup j'ai regardé c'est quoi la nouvelle. En vrai le truc à base de black beer c'est pas très dur à faire. J'ai mal. C'est 10 plaques bière, 10 miel, 10 champignons jaunes, et c'est un truc d'endurance. En vrai, endu, c'est pas non plus... Ouais, bah en fait, ça permet de régénérer son endu si tu le bois, donc en vrai, ça peut quand même... Ça peut sauver. Ah mais attends, je suis un peu bête. Oui. Est-ce que ça serait pas mieux? Les pics de moustiques, je les mets où? Partout et nulle part. J'ai dû les mettre, mais genre dans loot mob ou un truc à la con. Ah ouais, loot mob, c'est pas con. Bah, je les vois pas. Tu t'en étais pas servi pour faire des flèches, justement, des fois? Non, j'en avais pas assez. Il doit y en avoir un. J'ai tué que un moustique de toute ma vie. Je ne trouve pas. Ça se trouve, il sera puante cette montagne. Il a l'air grand le biome en vrai. Je n'ai trouvé aucun pic de moustique. Pourquoi j'arrive pas à monter de Dieu? Ce sera dans. Mais le 1! J'arrive pas à faire le bug là pour monter. Faut que tu cours. Bah je sais, mais j'y arrive pas. Voilà.
Hop, je me suis vidé le fiac. Allez. Et ouais, je pense que les ennemis de la région sont beaucoup plus vénères que les ennemis qui sont près du centre. Hein. Là, normalement, on est bon. Là, théoriquement... Je gèle ici. Pousse-toi. Super. Super. Paf. Mettez-moi un feu ici, messire. C'est pas moi qui le connais. J'ai... Et attends, je vais même aller plus loin pour être sûr qu'on... Attends, j'ai plus le bois. Quoi ? J'ai plus le bouet. J'ai la pierre, mais plus le bouet. Donne-moi le bouet. Donne-moi le bouet. Ah, t'as mis l'extérieur là-haut. Attends. Enfin, t'as mis l'extérieur vers nous. Ah non, là, c'est... Je veux du bouet. Mais je le fais au pire. Oh. Je pense que ça sert à rien en vrai ce que t'as mis au-dessus. Si, attends, je sais. Je sais. Ça fait un peu cheminée. C'est bon, on se fait pas enfumer le fion. C'est bon. On a eu du confort. Je vais aller faire une torche en résine en vrai. J'en ai une là. Attendez. T'as fait le coffre du coup, Nat ? Il y a oui. Un coup coffre. Il va faire mieux par contre. Ah, en vrai, c'est pas si grave, on en a vu que la nuit ça va. Je te rappelle que j'avais 70 PV, j'avais l'armure en argent, le drac qui m'a one shot. Hein ? Oui, non mais. Mais non, mais à mon avis, c'est juste que vu que tu perdais des dégâts avec le jet, tu t'es pas rendu compte. Ok, vas-y, va explorer un coup tout seul, reviens nous dire si l'immeuble est tombé ou pas. En fait, je vois pas le truc en mode plus t'es loin de la zone centrale, plus les ennemis sont forts. Je trouve ça un peu débile. Du coup, je vais poser toute ma merde vu que je suis pas encore rentré à la maison. Vas-y. En fait, si j'ai fait descendre la cheminée, c'est pour pas qu'il y ait juste un trou. Putain, mais il neige vraiment à la maison. Pour pas qu'il y ait un trou direct dans le toit avec les dracs. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Ouais, non, c'est pas con. Pas con. S'ils peuvent pas nous voir, techniquement, ils nous aggro pas. Et s'ils nous aggro pas, on est bien. Du coup, les pics, tu les as mis où? Je les ai mis dans le loot mob en dessous des yeux de dinguerie. J'ai essayé de te les retrouver parce que... Mais j'ai pris tous les coffres et j'ai rien vu. Hein. Je suis sûr qu'on en avait une. Et après c'était un trophée qu'on avait eu. Hein. Moi j'ai pas de souvenir d'avoir vu les pics. J'en avais un, c'est sûr j'en avais un. Après je l'ai peut-être bazardé pour X ou Y raison. Je crois que tu l'avais jeté. Peut-être parce que un ça me servait à rien. Ah, là, et j'étais genre... J'étais genre plein. Et les trucs à pleine marée par là. Là. Ouais, les marées, on s'en branle un peu en vrai. Ouais. Ça me bat les couilles. Paf. Bah, je vais réparer le stuff en tant que je suis là. Je suis content de cette petite cahute, elle est très bagnonne. C'est quoi ça? C'est Nat con. Ouais, on va laisser Nat con. Salut! Comment ça va les dudes? On explore le fond du coup? Ah. Oui. Je suis chaud pour l'explore là. Allez. C'est parti. On referme la maison. Plein nord. En vrai, ouais. Plus de nuit. Nialou. Bonjour. T'as la flèche de Kikak, bien sûr. Ah bah oui. Paf. Grosse flèche dans son fion. Fenrir, tu droite. Ok. Pas de peine. Nialou aussi. On l'a gros. Yeah. Non, ça se fait. Non mais il se bat avec un loup hein, le squelette par contre. Le squelette est perdu. Attends parce que là je peux pas la voir. Il y a nos traces de pas dans la neige. Oui. J'avais jamais fait gaffe. Ah oui. Sors l'arc. Arrête de faire ça.
Oh, il a arrêté d'avancer pile au moment. Du coup, je l'ai pas touché, mais je l'ai trigger. C'est pas grave. Il hurle à l'agonie. Ah, j'ai pas mangé. Mais j'ai pas mangé. Bon, là, il brûle. Désolé, je vous aide pas beaucoup, mais j'ai plus d'endu, j'ai pas mangé comme un gros débile. Et cette attaque, elle fait pas, ça se fait pas de dégâts. Oui. Du coup, en fait, ça sert juste à rien. Peut-être initialement, elle devait peut-être nous grab. Ouais, mais genre, ça a jamais marché. Quoi. Ouais. Pourtant, j'étais en plein dedans. Ah bah oui. Et après, ça se trouve, faut que tu sois à l'extrémité de l'attaque. C'est pas le caillou qu'on cherche. Ah. Ah, tu bip. Ah putain, c'est pas le caillou qu'on cherche. Des loups. Ah non, y'a. Ah, je pense que c'est un bonhomme de neige. Oh putain, oui. Le problème, c'est que j'ai pas de vie, moi. C'est bon. Oh putain, je l'ai tué alors que je voyais rien à cause des flèches. Des flèches. Attends, en fait, tu lui as mis une flèche qui est de la stun et je l'ai terminé. Ah d'accord. Par contre, c'est vrai que tu bip, mon cochon. Ah, loup! Loup! Oh, la flèche du stun! Non, c'est moi qui le stun. Là, c'est Nat qui le stun. Avec son pic. On peut piocher s'il y a du loot ici. Parce qu'en vrai. Même d'argent. Ah si, c'est là. Même si on est trop plein pour tout ramener en un coup, on peut prendre une méga charrette, on la ramène au bateau en mode go fast. J'avoue. Là, il y a pas loin, plutôt plat, enfin c'est en pente en tout cas. Une charrette. Bah si on est trop plein, si on a plus non, d'argent... Non, ouais, on peut pas transférer les clous. On va, on a ce qu'il faut. Ouais, mais on peut pas transférer les clous. Si, on peut. Non, les clous, ils peuvent pas être transparents. Tu peux vérifier, mais je crois qu'ils peuvent pas. Si, c'est justement, c'est les lingots qui peuvent pas. Les non, même pas, c'est les minerais. Les lingots, il me semble qu'ils peuvent en plus. Non, les lingots, tu peux pas. En tout cas, les trucs que tu fais avec les trucs que tu peux pas transporter, ils sont transportables. Genre là, les clous, je suis sûr qu'ils le sont. Mais les clous, je pense aussi. Je suis quasi sûr à 100% qu'ils le sont. Putain, la veine d'argent, elle est épaisse. Ah, c'est pas loin de notre cahute, il y a quand même un fenrir. Hein. Avec des loups. Ah, souvent le fenrir il est pas loin de loups parce qu'il peut les appeler. Tu vois. Je permets de délimiter le. Discret 6. Waouh! Mais il a spawn juste au-dessus de toi celui-là? Oui. C'est où que je l'ai pas vu avant? Moi non plus. Mais il y a un arbre. Oh bah finis-le. Oui, ta gueule. Ta gueule. Tu vois, je pensais qu'il m'aurait one shot celui-là. Oh. Mais non, mais pour moi en fait juste t'as pas fait attention à ta vie avec le gel et en fait t'étais bas en vie. Les draps qui font mal, mais on est pas... Encore ouais. Ça. Ah oui là. Arconi, devant moi. Aïe. En fait, ça t'arrange vraiment le harpon? Bah, des fois oui, des fois non en fait. Merde. Ah. Y'a un drap qui t'est tombé dessus. J'ai vu ça. Désolé, hein. C'est pas moi qui décide où le drac meurt. Y'a un autre drac là-bas au loin. Ah ouais, je vois pas de structure par contre. Mais après, comme... c'était plus dans le sol. Donc, ouais, si ça s'enfonce dans le sol, ça se voit pas. Hein. Il suffit qu'il y ait deux rochers à côté et c'est invisible. Putain, c'est un bel étron d'argent que tu nous sors là. Hein. Ouais, je fais bien le détour là pour être sûr qu'on montre rien. Tu sais qu'on dirait une belle chiasse. Ah, une belle crotte. Ouais, bah, c'est arbre là. Ah, j'arrive. Ah! J'ai tombé, j'ai tout vu. En fait, il y avait un gigatrou que j'avais pas vu. Il dit même pas Timber. Un squelette. Oh, c'est pas non plus un danger immense. Viens là. Viens là. Il y a un drac. Par contre. Ah oui, bonjour. Le poison. Il a harponné le squelette. Il est mort. Il est immobile. Le drac est dans la sauce. Le drac est harponné. Gros fils, il est mort. Le drac est mort.
Oh, y'a pas de quête là. Putain, mais quelle chiasse. Pas trop aggro, je trouve. Non, ça va pour une. Un squelette. Pourquoi y'a des squelettes ici? Mais ça arrive qu'il y en ait qui se trouvent. Chla. Oh, mais y'a peut-être une structure à côté qu'on a pas vue. Chla, bla, bou. Ah mais c'est vraiment une belle chiasse. Ouais non, ça a une belle crotte. C'est un beau caca. Non, je suis tombé. Oh non, il est tombé. Oh non, le jeu il tolère les trucs. On va devoir vous abattre. Bon, bien on a tous à te faire maintenant. Bah. Pas d'argent. Bah moi je peux pas piocher donc. Tu pioches pas Nat? Si si, mais ça nous fait d'autres jours maintenant. Il me semblait qu'on avait convenu qu'il fallait pas piocher ensemble. Adrak! Merde, c'est trop bas. Bon. Arponnez! Sale bête! Ah, y'en a un deuxième! Oh, arponnez! Voilà, je le rate. C'est immense ce qui se passe ici. En fait, le problème qu'il a avec le drac, c'est que ça fait des mouvements pas très naturels. Tu peux le finir ou pas le drac? Ouais. Trop dur, trop dur. Putain mais... Paf. Oh, éclaté. Bah. Une tête. C'est vrai? Bah non, je te demande. T'as fait bas. Ah non, en fait, le corps était en bas, mais le loot était là-haut. On peut pas... Ah, j'ai déjà notre filon, quoi. On peut pas manger de viande crue, je suis dévasté. Je détecte déjà notre filon. Trop dur. Mais à mon avis, il est là. Genre, il doit être juste là. Bah, tu peux creuser, hein, pour voir le crime. En tout cas, trop dur. J'ai dit ça, mon bloc. Mais... Il a une forme très bizarre. Salut. On se fait pas trop aggro par des loups, je trouve, ça va. Vous allez avoir un problème avec un tronc d'ici peu. Putain, l'arbre il descend, plus tu casses. T'as trouvé le filon en question, du coup? Non. Mais j'ai fait un gros coup. J'ai bipé encore. Ça, c'est bien vrai. Après, est-ce que tu bipes pas jusqu'à ce que t'aies pété le filon en question? Non, et que tu pètes? Non, non, là c'est un autre filon que je bipe, sinon il était très vide. En fait, dès que tu mets un coup, enfin dès que je pense qu'il est cassé d'un truc. Non, dès que tu mets un coup de pioche, c'est bon, il est cassé quand même. Dès qu'il commence à être exposé au ciel, il arrête de biper. Je vais chercher l'autre filon, parce que ça me trigger. Super. Bon, en vrai, moi ce que je vais faire, je vais aller chercher ce qu'il faut pour aller faire une charrette. Vas-y. Du coup, je pioche ou j'attends? Pioche. Protège. Pioche, on est toujours. Bah, je pioche, mais... Nat, reste à l'affût s'il y a des bêtes, hein. Je peux pas piocher et gérer les bêtes. Il y a une tempête de neige. Ouais, il y a une tempête qui arrive. Trop dur. Mais je vais pas du tout vers la maison. L'avantage, vu que je suis mort à côté de la maison, je sais où c'est. Stratégique. J'avoue. C'était une mort stratégique, bien sûr. Elle est où l'entrée? Non. Mais je suis vraiment mort devant l'entrée. Hop les. Ah, j'ai découvert une tombe. Au dos, putain. Putain, j'ai encore la tempête de neige à la maison, du coup ça fait un peu moins. Ouais non, les clous ils seront TP. Hein. Ouais non, ça me semblait logique. Enfin logique non, mais... Correct. Ah, tu veux trop dur. Tes clous, j'étais... pas tes clous, mais tes... Merde. Tes potions. Ah oui, bah droppe-les-moi dans le fion. Attends, je suis pas là. Là, voilà. On demande un service et le gars il est pas là. Non, mais il veut la fermer, ça mouille. Super. C'est 20 de bois. 20. 20. Le soleil.
Je vais prendre un coup de saucisse. Trop dur. Hop. Hop. Tu bipes encore? Oui, j'ai pas trouvé. Peut-être qu'il y a un filon sous ce filon? Non, 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 j'étais à l'endroit où ça bipait le plus, mais je trouve pas. Ou alors, c'est extrêmement profond. Il y a un monstre qui arrive, on le voit pas, on se fait ouvrir. J'avoue. Je sais pas si on peut vraiment se faire aggro par des golems de pierre. Non, les golems de pierre ils bougent pas normalement. Je pense qu'ils sont pas. Il y en a pas qui apparaissent faits, on va dire. Ouais. Non, en fait ils apparaissent en gros tas et après ils prennent en micro-prise quoi. Crac. J'ai entendu. Ça avait été synchro là. Il emmène le tronc! T'as vu Nat? Non, j'ai pas vu, j'avais plus loin. Il a poussé le tronc! Bon, je la fais où la charrette? Oh, bah, à côté de la gaz bar. Bon, je la fais littéralement quitter. Bon, elle est faite. Est-ce que j'ai. Bah, j'ai plein de cailloux. Et j'étais à la maison et j'ai même pas réparé mes armes. Ah, je suis un peu dégoûté. Je suis un connard. Je pourrais plus prendre de minerais. Bah, plus prendre non, parce que je vais les poser à la maison. Non, dans la charrette. Dans le coffre. Ah, dans la charrette direct. Je pose pas dans le coffre. Non, pose dans le coffre. Ouais, sur la charrette. On aurait dû faire un coffre renforcé. Ah, bah, non, on peut pas traverser le fer. Non, j'ai rien dit. J'ai dit vraiment une connerie. Donc... Juste je vais aller poser. Protège l'autre. Je vais aller poser. Bah, je suis fou en fait. Ah oui, pas mal le tour. Ouais, non, il s'est fait embarquer par un drac. Attends, je peux en prendre. Mais... Je vais peut-être marquer la maison. Bah, je pense que je vais en faire autant. J'ai beau être mort là. Quand je vais Ça va pas être éternel. Je vais l'appeler maison 2. J'ai vu que j'ai déjà une maison. Mais... Je l'appelle maison montagne. J'aurais dû l'appeler chalet. Oh mais chalet. Ah mais oui, je peux pas me TP. Évidemment que je ne peux pas me TP. Paf. Le bon dieu. On voit R. Pose pas dans la charrette. Tu m'as fait peur à côté de là. En vrai j'ai peur qu'il puisse taper la charrette. Pose pas dans la charrette. Ça va être comme le pose pas dans la charrette. On va les couilles. D'accord, je. Pourquoi je pose pas la charrette? Bah, parce qu'ils vont l'aggro. Si c'est comme les dingueries qui ont pété le champ, Ouais. Ils vont péter à la charrette. Hein. C'est gros chien. Vaut mieux mettre dans le coffre là où c'est plus sûr que dans la charrette où elle se fait ouvrir. Oui. On va aller refaire le stuff et j'arrive. Comment ils bougent les arbres en vrai. Yes. C'est un cadeau pour vous, les amis. Moi ça m'arriverait jamais ce que tu viens de faire. c'est tellement pas vrai. Merci, ok, je suis là. La délicatesse incarnée en fait. Genre tellement pas. Tu me connais mal mais. En tout cas, noise. Noise. Ah je t'ai fait bugger Nacho. Non. Si c'était au-dessus de moi avant que t'arrives. Oh.
J'arrive. Hey, il est beau ce tronc. Trac. Ah non hein. Je sais pas où il est mais... J'ai pas réparé ma pioche. T'es quand même un gros con. Parce que toi tu l'as fait. Bah oui. Tu es boomer. Je l'ai même dit, mais je vais réparer mon stuff et j'arrive. Ah mais j'entends bien vrai. T'es bourré hein. Par contre là on est protégé des loups. Ah oui, il est bien là. Il est juste à côté de moi. Super, il m'a chié dessus. Il y en a un deuxième qui arrive. C'est bien parce qu'ils en veulent vraiment un là. Ah oui. En même temps. S'il avait pas acheté leurs œufs. Hey, mais je viens de réagir que j'avais pas mangé. Si t'avais pas acheté leurs œufs depuis la montagne, Nat, il t'en voudrait pas autant. Hein. Évidemment parce que c'est moi qui l'ai. Bah ouais. J'ai déposé un mot, le chevalier connard, et... Du coup ils savent qui agresser. Hein. Si vous vous demandez pourquoi je sers à rien, c'est parce que je suis tombé dans le trou et que j'ai plus d'endu pour remonter. Hein. Mais qu'à faire, je veux partir de cet endroit de merde. Donne-moi ta tête. Putain. Ils veulent pas te donner leur tête hein. On dit pas qu'on a besoin des têtes des mobs et qu'on les veut, on les a pas quoi. Trop dur. Putain, ça tente des coups de pioche en ce moment. En vrai il nous en manque que deux têtes hein. Je crois qu'on en a plus besoin de plus. Peut-être pour le lit dragon, j'ai pas fait gaffe, mais je crois même pas. Non, y'a pas. Faut de la biche, du loup. Salut. Et deux types de bois, je crois. Mais en vrai, t'avais fait masse pierre gratuite pour la maison, ça, en fait. J'avoue qu'en vrai, on a un coin à pierre tranquillou. Hein. Après, les pierres, on en a pas forcément spécialement besoin. Ouais, mais quand on en aura besoin. Ah bah oui, je ne dis pas. C'est très important. Ah, l'oreiller qui tombe. En tout cas, l'agression est totale hein, dans ce coin du monde. Ouais. Putain, mais c'est quand qu'elle se termine cette tempête en vrai? Il n'y avait pas de connerie initiale, donc quoi, plus on va loin, plus les ennemis sont forts. Mais non, théoriquement. Mais non, mais je sais pas d'où vous avez chié ça. Hein. Attends. Moi j'ai chié ça juste là. Pour moi, c'est une énorme connerie. Mais... Pour moi, la puissance des ennemis, ça dépend juste des biomes. Valheim biome. Alors. T'es tombé. Oui, je sais. Grosse merde. Vous n'allez donc jamais commencer la partie sur un minuscule îlot au milieu de l'océan. Ça va, Yann. En vrai, il est pas si petit, c'est juste que je peux rien explorer. En vrai, ma partie solo, j'y vais jamais. Drac. Les infâmes moustiques, je viens de lire, Nat. Ça te parle ou pas? Oui. Ah, il fait déjà... Oui, ça s'est calmé là. J'ai entendu un drac, je suis pas fou. Il y en a un là-bas au loin. Mais il est où, Nat? C'est ça, on est à la maison. Ouais, d'accord. Écrit par mes merdes.
loups font très mal. Ouais. Alors c'est pas sur site, mais j'avais lu que en gros. Code de triche, juste pour voir. Help. Kick, ban, unban, band. Ping. Load BIOS. Définir la distance de traçage. Je sais pas ce que ça veut dire. Oh, on peut révéler toute la map. En vrai, je pense que ça, explore map, je le ferai quand on aura genre fini. Ouais, bah quand on sait qu'on. Ah, y'a un drac qui arrive. Oh merde. Parce que ça m'intrigue trop de voir à quoi il ressemble totalement dévoilé. Mais j'avoue qu'on aura fini, genre quand on aura quitté le dernier boss, en vrai, on fera. Bah, supprime la barbe du joueur, supprime les cheveux. Qu'est-ce que. Élimine les ennemis les plus proches. En vrai, il fait chier le bout de bois là. Mais oui. Non, il est beau. Oh, on peut démarrer un événement aléatoire. Active 2. Mais c'est pas vraiment les bugs que je voulais en fait, internet. Créer son personnage. Trop dur. Ah, j'arrive pas à retrouver où je l'ai lu, mais je l'avais lu quelque part. Alors après, c'était peut-être des grosses intox. En fait, je pense plutôt que plus t'es loin de ton point de départ, plus t'as de chance de tomber sur des biomes où les ennemis sont plus forts. Enfin, genre, c'est les ennemis plus forts. Après, je me demande si c'était pas un site, tu sais, genre en anglais qui a été traduit par Google, donc la trad était peut-être pas exacte non plus. Ah oui, ça se peut aussi. Mais non, pour moi, juste la puissance des ennemis, ça dépend du biome. Hein. Sinon, ce serait débile d'avoir fait des biomes. Quoi. Drac. Ah, bonjour! Ah non, me pousse pas! Je suis au bord de la falaise, il me pousse! Oh, finis-le! Ah. Donne ta tête! Il va la donner! Oh, il a pas donné! Crache-lui dessus! Ah, il y a un beau truc là! On en voit le bout de ce filon de ses morts! Il y a un beau marais là-bas! Je me demande ce qu'il y a derrière. J'espère que ça continue derrière la grosse montagne en face. Hein. La grosse montagne. Ah non, c'est pas le moment. Drac. J'ai plus d'ennui. Oh, je l'ai reponné au dernier moment. Ah putain. Je perds tellement de flash. Putain, ça me dégoûte de devoir farmer des plumes en fait, c'est trop chiant, c'est trop long. Il est mort sur moi. Donne ta tête. Il a pas donné sa tête. Je te laisse prendre le loot. Je m'évite de te le drop. Et kaboum, on l'a tout miné. Moi j'ai plus de caillasse que ça. Voilà. Est-ce qu'on va poser à la maison vu qu'on est à côté? Oui. Ouais, genre moi je suis quasi plein donc oui. Oh bah, parce que moi je suis quasiment vide mais. J'ai surtout défendu en fait. Bah là j'avoue que en vrai tant qu'on est à côté faut qu'on en profite, faut qu'on foule bourre les coffres et que. Ah le double clic de ma souris me trigger à un point. C'est en fait faut full bourrer les coffres. Une fois qu'on a fini de bourrer le coffre, on fout tout dans la charrette, on va au bateau, on fout dans le bateau et. Et on se nachave. C'est le plan. C'est le plan exa. Exa. Bien évidemment. J'avoue que j'ai un peu flemme de réparer mes outils, j'ai juste utilisé un peu un arc, donc flemme. Oui, j'y vais. Je suis fatigué. Ouais, je vais essayer de choper du confort moi en attendant. Parce que ça serait très qualitatif. Ah, j'ai oublié de te rendre tes potions. Ah oui. Donc j'y pense, on va revider les rues. Hop. Bon, on commence à en avoir du mien. Mais ça fait un bout de temps qu'on n'a pas drogué de boss, quoi. Ah, bah, surtout que...
C'est vrai que ouais, à part les boss, on en a pas vraiment besoin. J'en ai mangé un tout à l'heure, je m'en veux tellement. C'est pas rare. En vrai, là, genre... Mais t'es un chien, j'essaye de me régène. D'accord. Mais non, mais il me pousse dans le feu alors que j'essaye d'avoir du confort. Et justement, t'as du confort dans le feu. Chien. Et après, il peut éviter de brûler, en fait. Je suis prêt. Attends. Parce que du coup, je dois régène. Oh putain. Choper du en forme aussi, c'est bien. Moi, ouais, c'est mieux, je l'ai. Ah. Y'a des draps, non? Bon, j'ai un message de Greg de Black Market. Je crois qu'il y a un drag. Oui. Ah. Mmh. Ouais, je suis mon colis. Oui. Du coup. Je vais être remboursé, c'est nice. Bah, on peut y aller. Et plus il soit fou. On repart de nuit. Oui. Mais ça fait des Fenrir, c'est bien. Mais en vrai, il drop rien de plus que les loups. Ouais, mais. Littéralement des moins bons drops que les loups. Est-ce que vous voulez un petit peu de Wololo là? Je suis généreux. Bah... Vous voulez. Faut... Bon bah écoute, il en veut pas, t'en veux Johan? Bah moi je m'en branle mais... Ah mais toi je veux pas te le donner là, chien. Le communisme. Ça sert à rien, je vois pas pourquoi. D'ailleurs j'oublie plus. Ouais je t'ai dit, je pense que c'était juste le filon sur lequel il y avait ton non, gros fiacre. Non pourtant, non, là où j'étais il y avait un corps squelette mais... Il est plus encore malgré ça. On va vivre des aventures folles là où on va, Jean Bombeur. Ça me paraît bien un petit biome. J'entends un bruit de loup. Loup. Je l'avais bien entendu. Oh, je l'ai stun. Oh, je l'ai raté. Mais. Non, mais. Vous le touchez pas. Arrive à le taper. Ah. Par contre, lui, il arrive à nous taper. Non, mais en fait, c'est trop chiant quand l'ennemi est en hauteur de toi, tu peux pas le taper et lui peut te taper. Ouais. Oh, attendez, attends. Quoi, attends. Ah, oui, il y a des loups. Ah, il y en avait plusieurs, j'en voyais que un, moi. Ah, deux étoiles pas... Ah, oui, il y en a deux étoiles, au secours. Wouah, j'ai 3 PV. Je suis mort. Putain. Au secours, run. Mais non, défends-toi. Non, putain, lâche. Bats-toi. Bah, moi aussi, il m'a ouvert le fion. Putain, si son pote m'avait pas tapé, j'étais encore en vie. Putain, mais touche-le. Putain, là, je suis à 18 PV. Putain, j'étais à 90 HP, il m'a tué. Ah Nat, je note direct la lâcheté, tu t'en vas quoi. Tu me laisses devant le loup. Qu'est-ce que ça t'étonne, Nat, c'est le plus gros lâche de France. On l'avait ouvert, il y avait plus de vie. Oh la vache. J'ai pas vu sa part de vie, moi. Ah, je te jure, il y avait quasi plus rien. Yohan, il s'est sacrifié pour la cause. Ah, j'ai oublié de prendre une potion de gif, quel con. Ça va, t'as pas loin en vrai. Ouais, mais non, je vais pas prendre de risque. Tu me les as redonnés en plus parce que... Ah non, bah prends-les dans mon. Ah ouais, je me sers, hein, vous me permettez. Ouais, qu'un souci. Ah la vache. Ouais, il a. J'avais pas vu au loin qu'il était deux étoiles, hein. En fait, je l'ai vu loin, je me suis dit c'est au moins une étoile. Mais je le trouvais plus gros déjà, mais j'ai même pas réagi en plus. En fait, il y a aussi la couleur qui change, c'est bleu, c'est une étoile. La couleur à cette distance, franchement, je la voyais pas, il fait trop sombre. Il était sous des arbres là-bas au loin, franchement, j'ai rien vu. Ah, évidemment, je sors de la maison, il y a un drac, quoi.
l'ennemi que tu peux frapper, hein. En plus, vu que moi j'ai pas A-tier, je me fais forcément baiser. Ah bah oui. Je suis mort. Encore ? Mais la même chose, le chien, là ! Tu veux qu'on vienne te chercher ? Putain, mais y'a littéralement 3 mètres à faire, je me fais beaucoup de temps. Je voyais ton icône sur la minimap. Et t'as pas genre gaspillé une popo de gel des fois ? Bah si, mais sans s'en branle. Welcome into the club ! Ça, en vrai, ça sert qu'à ça, donc pas gaspiller en soi. C'est vrai. Et du coup, on devrait pas sauver le cul de l'autre des fois ? Bah, je lui ai proposé, mais il m'a pas répondu. Non, mais en vrai, non, c'est juste que j'ai de la nonchalante, quoi, comme tu l'as dit. La fameuse nonchalante. Oui, la fameuse nonchalante, et à bout d'un moment, tu vas tellement pleurer. En attendant, Nat, il a commencé à faire nuit. Il fait nuit, mais. Je sens la tempête arriver sous peu, donc j'ai peur qu'on se fasse baiser. Ah, quoi, encore là, le fils. Il va pas partir, il t'aime trop. Voilà, mais en plus, vraiment, il est au-dessus de la maison, quoi. Par où est-ce que tu pars, Justine ? J'explore un peu, je veux juste trouver un point en hauteur, genre là. T'en fais pas, je m'enfuis pas. Il y a des squelettes, apparemment, ils m'ont peut-être un peu vu. Ça va, Yoyan ? Attends. Oh, mais putain, mais il y a toute la population sur mon cul ! Elle comprend ma douleur, hein. Il y a un loup dans le coin. Et il y a l'eau ouais, sur mon cul, sûr, il manque plus qu'un Fenrir, un loup et un golem de pierre, et ça y est, j'ai littéralement toute la population sur le fiac. Y'a un truc là-haut. C'est bon. Oh, les squelettes, en fait, ils m'ont carry. Ouais, c'est un doigt de dragon, ça. Ouais, parce que ça brille, il me semble que c'est ça qui brille. En fait, les squelettes, ils m'ont carry, le drac, il a repris l'aggro sur les squelettes. Alors, on va arriver à un moment un peu charnière. Soit il y a quelque chose géant derrière le gros caillou, là, soit il n'y a rien et on est dévasté. Ah, tu te régènes de fou, Yoyan. Mais normal, j'ai course fantôme. Ah. Ah, on continue. Ah, putain. Vraiment, toute la popula. Et t'as réussi à l'esmer en plus. Fenring. Je freeze. Le tournoi de coup. Voilà. Ah non, me voilà pas. Je suis pas de retour. Okay, c'est moi qui bug ? Non, c'est moi. C'était tout le monde, donc c'est peut-être moi. J'ai peut-être une bonne ou une mauvaise nouvelle. Il y a peut-être un Fenring qui m'a potentiellement vu, mais c'est pas sûr. Ça va, Jean-Bomber ? Ah, je crois qu'il est mort. Un bug, quoi ? Allô ? Oui. Je crois que tu meurs. Moi ? Ah oui, c'est Yo-Yo. C'est moi ? Ah, oui, c'est toi. Oui, il y a un Fenring. Un Fenring ? Moi, je vois surtout juste un Drac. Bah, en fait, moi, je vois Nat bouger, mais je te vois pas bouger, juste. Hein. Ah, c'était moi. Ah ben, vous êtes tous disparus pour moi. Ah ouais, déconnecté. Ah ouais, là, ça, alors c'était peut-être toi, Yod, je pense. Okay. Parce que je t'ai vu rejouer à Valheim. Ouais, mais c'était peut-être moi. Pour une fois que c'est pas moi. Mais du coup, il y avait un Fenring, hein. Je suis pas fou. Ah bah, j'ai deux dracs sur le cul aussi, c'est beaucoup de plaisir, ça. Et vu que je suis tout seul, bah je peux rien faire. Bah, on arrive, mais... Mais du coup, on va voir si quelqu'un de nous décède ou pas. Mais le problème, c'est que moi, j'avais un Fenring sur le pas fion. Hein. Dans le meilleur des moments, quoi. Je sais pas où le jeu va vraiment me faire repartir, mais il nous fait apparaître avant qu'on puisse déplacer le perso. Mais y a pas d'arbre là où je suis. Si j'ai pas chargé ou comment ça se passe? Pour moi, je vous vois pas. Ah, non, pour moi, y'a rien en haut à gauche, Nat. Oula, freeze. Freeze, au secours. Oh putain, oui! Déconnecté. Ah, moi, y a. Par contre, moi, y'a bien les arbres. J'étais déco dans l'instant, super. Le stream, il tombe toujours bien, du coup. Oui. Ok. Non, en fait, je crois qu'il y en avait deux, mais il y en avait qu'un. Bah, au moins, il m'a enlevé mon Fenring, le jeu, c'est cool.
coup je suis paumé là. On est où? Ah ok, on est là. Putain, pour moi t'es allé dans le sol, Justin, c'était beau. Ah bah attends, ah. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a tout le monde. Si on fait ça... Et j'ai les arbres. Ça marche pas? Quand on peur, je suis lag. Je crois que ouais, je lag de ouf parce que je... Là c'est moi qui bouge pas, hein. Paniquez pas. T'avais écrit ping. Parce que normalement il y a une commande, c'est slash ping, mais peut-être qu'il faut avoir des droits d'administrateur ou je sais pas quoi. Et c'est toi, ouais. Yoyo. Du coup il est là mon Fenring. Attends, c'est entré. Bravo. Sinon j'ai toujours un Fenring en face. Ouais bah vas-y. Attends, parce que du coup il se met derrière l'arbre, ce chien. Mais je vois même pas. Hein. T'inquiète, il est bien là, il est bien là. Ah oui là. Eh, c'est salut. Vous avez poison feu, monsieur, faut mourir. Et vous brûlez par l'argent. Voilà. C'est très bon, le jeu, il est revenu. Il est très revenu. J'ai cru entendre des bruits de loup, mais... Oh non. Quoi? Ça m'arrête. Mais non, mais... Attends, on n'est pas... Mais non, mais ça continue un peu, là. Mais j'ai peur que ce soit quand même la fin. Ouais. Ouais, alors... Il y a des loups, hein. Ah, oh non, mais non, mais non. C'est une montagne là, de loups, là. Ah oui. Bah, ils sont immobiles. Ah non. Ils ont l'air du père. Bah, ils sont dévastés. Hein. Mentalement, ils sont absents. Oui. Pour moi, depuis tout à l'heure, tu les touches pas. Ah bon? Oh putain, Yohan qui passe pile devant. Ah. Ah. Oh, tu m'as décalé! Il y a deux dracs. Ouais. Merde, j'ai rangé mon épée, je voulais sortir mon harpon. Oula! Ah mais attends! Mmh. Je vais faire des tests. Ouais, qu'il y a un drac qui m'agresse. J'avais l'impression que je voulais renvoyer ces trucs de là. Il m'agresse bien, moi. Putain, mais... Salaud! Putain, mais oh là là, je rate tout mes harpons. Je peux pas me défendre, j'ai plus d'endu! Mais attends, je crève. Je finis. Ah! Va crever le bestio, voilà. Let's go, y a pas de tête. J'ai l'impression qu'il y a une cabane là-bas, mais je suis pas sûr. Ah ouais, y a un œuf de dragon, mais dans la pierre. Ah oui, non. Ah, c'est sûrement les dracs qui nous ont agressés d'ailleurs. Oui, il y a un truc là-bas de fait. Oh non, c'est juste un caillou. Mais elle est par la montagne là. On a une vue incroyable par contre. Putain, mais il y a que des montagnes minables. Mmh. Oh, par contre, je sais pas si c'est moi, mais regardez là dans. Pile là en face où je regarde, je sais pas si tu vas aller voir Nat. De quoi? Pile en face là où je regarde, j'ai l'impression qu'il y a 2 gigamontagnes au loin. Non, c'est pas 2 gigamontagnes, c'est des petites montagnes. Moi je vois. Non, tu regardes mal là, tu regardes mal. À droite. À droite. À droite. Là. Au-dessus de ton curseur. À gauche. Là. Non, je vois que de la brume là. Attends, je regarde de loin, point de l'œil, mais.
Ah si, je vois un peu du coin de l'œil. J'ai l'impression qu'il y a 2 gigas montagnes, mais je suis pas sûr. C'est pas 2 gigas montagnes, il y a plutôt une petite montagne, quoi. Ah, le problème, c'est que... Je veux pas vous faire peur, mais putain, on a rien, quoi. Et il faudra retrouver des cœurs pour faire le portail, du coup. Ou vraiment qu'on est comme sûr. Je sais pas, mais pff, fait chier, quoi. On a Mézef, mais on sait même pas où est le boss, quoi. Attends, je vais regarder sur internet, parce que là c'est relou quand même. Mais c'est forcément sur les donjons, en vrai, les petits donjons souterrains. Là. Je suis obligé d'aller sur un site qui s'appelle Gozunoob. En fait, il faut une structure qu'on n'a jamais vue. Hein. On n'a rien vu. On l'a pas raté. Hein. C'est juste qu'on l'a jamais vu. Ah. Il est bien montagne, on est des plus grands ou pas? Au secours, il y a deux loups. Je suis pas sur le jeu, je suis en train de regarder des tutos, enfin des... Ah, il y a trois loups! Il y a un trois loups, ouais. Si c'est des non, il y a quatre loups, au secours! Je suis là. J'ai plus tendu, j'ai crevé. Vous êtes mort? Mais non, mais je suis mort. Mais vous m'avez lâché en fait. Putain, mais c'est quoi cette blague de merde, quoi? Surtout que moi aussi en fait j'ai plus d'endu, donc en fait juste j'ai récupéré ta merde. Non mais je fais 2 mètres, je fais 100 km, je croise personne, je fais 2 mètres, je croise 5 clous. Et un drac. Alors... Et t'es de Marseille, j'en ai vu que 3 hein. Je veux pas vous faire peur, mais apparemment on est vraiment... Le drac qui me la met. J'ai ce que je peux, mais j'étais loin. Le drac qui me la met. Mais du coup, oui, tu disais... Ah non hein. Bon, y'a plus les loups. Tu le disais drac. À propos des montagnes. On est vraiment pas les seuls à galérer à trouver l'emplacement. Il y en a qui disent qu'ils ont fait 10 biomes, d'autres 17 biomes. Yes. Et qu'ils l'ont toujours pas. Yes. Il y a un gars qui a dit, bon bah fuck it, je suis un tricheur, mais il a fait spawn le dragon direct. Putain, je fais l'amour à l'arbre depuis tout à l'heure. Après, t'es mort à côté de la maison, ça va? Oui. Putain, oui, j'étais mort assez proche de fait. Alors, attendez, je continue à lire du coup. Ah oui, parce qu'en plus, le bâtiment qu'on cherche, je veux pas vous faire peur non plus. Hein. C'est même pas sûr qu'il y ait une tablette dedans. Alors, tu es en train de dire qu'il y a qu'un seul type de bâtiment. Faire spawn la tablette et la tablette est tombée. En fait, j'ai l'impression qu'il y a deux... J'ai pas vu exactement, mais j'ai l'impression qu'il y a deux types de bâtiments dans le biome. C'est les chalets abandonnés, comme on en a vu plein, et les anciennes tours qu'on n'a jamais vues en fait. Bah, c'était pas le trou qu'on avait vu. Ouais, je pense que c'était le trou en vrai qu'on avait vu. Non, c'était pas ça. C'est des tours qui sortent là, des vrais. Comme dans Forêt Noire en vrai. On a vu que les œufs de dragon ils pouvaient spawn dans la montagne, ça se trouve, c'est ce qui s'est passé avec. J'ai pas tout lu, j'ai lu un peu en diagonale, mais peut-être que ça spawn aussi dans les tours inversées. T'as une image de la tour dans la montagne? Pas des tours. Bah, j'ai quitté Google, mais si tu tapes Valheim Modder, M-O-D-E-R, tu verras. Et si tu veux être sûr, tu mets location et là t'es saucé. C'est un peu casse-cul. En plus, surtout qu'on s'est cassé le cul en mode ok, on va se mettre là, on a tout préparé. Y'a rien. Genre là, ça y est, on a fini la montagne. Franchement, j'avais bon espoir de au moins trouver la location du boss, enfin l'emplacement quoi. En vrai, ce qu'on peut faire, c'est démonter le camp,
on rapporte tout le matos qui peut être transporté et on continue l'exploration. Bah en vrai, on a une charrette, donc on peut. Je suis quasi sûr qu'on peut foutre la charrette sur le bateau, mais. Bon, moi je pense que c'est plan cul. C'est plan cul avec la hitbox là, je pense qu'on va avoir pas mal de bugs. Mais ce qui est casse-cul, c'est que comment on va trouver l'emplacement du boss, quoi. Ouais, moi je pense que je vais pas tarder à m'arrêter parce que je suis vraiment fatigué de nous. Ouais, mais c'est chiant, là. Le matos, en fait, on a rien fait ce soir, en vrai. Oh, on a un peu exploré, quoi. Ouais, on a même pas l'emplacement du boss. Parce que je suis sûr que là, on a le stuff pour l'ouvrir, le boss. Hein. On avait dit pas ouvrir, c'est un grand mot. Ouais, mais Mazdos, il est différent aussi. C'est un petit plaisir sur pattes. Ah, grand ange. Oh merde. Yes. J'entends un truc et j'essaie de fermer la porte, c'est logique. Vous voulez qu'on essaie de rapporter le matos vers le bateau avant? J'avoue, j'ai un peu la flemme, je suis en fait dire. Ouais, mais comme ça, la prochaine fois, on n'a pas besoin de pleurer parce qu'on doit rapporter. Ah, on pourra le faire la prochaine fois parce qu'on n'est même pas obligé de rentrer maintenant, en vrai. On fout dans le bateau et on se nachave plus loin, pire. Oui, justement, on continue, on démonte le coin là. On rapporte le matos au bateau. Mais en vrai, j'ai même pas envie de le démonter ici. Bah, moi non plus. Hein. Parce qu'en vrai, on est à côté de plaines. C'est vrai. Même si on a un TP dans des plaines, c'est pas les mêmes, c'est complètement l'opposé même. C'est vrai. C'est vrai que ça reste utile. Donc, est-ce que j'ai. Attends, ça c'est Natcon ici, je l'ai pas marqué. Natcon. Donc, ouais, non, vraiment, je pense au passé qu'on va vraiment profiter de regarder vraiment toutes les montagnes. Attends, avant qu'on skitch, je propose que on regarde vraiment s'il n'y a pas des moyens de le trouver, pas à coup sûr, mais maximiser nos chances, quoi. Déjà. Il devrait bien avoir un cheat qui permet de voir les spawners de boss à la limite dans le coin. En fait, ce qu'il faut trouver, c'est des tours. Mais c'est comme dans la forêt obscure, là, dans la forêt noire. Faut trouver des tours plus ou moins cassées. Mais dedans, il y a un escalier qui fait en colimaçon en gros. Et sous l'escalier, normalement, il y a la petite pierre carrée. Ouais, bah comme ça dans le métro. Ouais, c'est exactement ce qu'on a trouvé, sauf que nous, elle a spawn dans le sol. Ouais, mais là, elle est carrée, elle est pas ronde. Hein. Après, il y a très certainement possibilité que ça spawn là-dedans aussi, mais tous les trucs que je vois, c'est dans les tours carrées. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, ok, c'est... Là, il y a des mecs fous qui font des villages dans la neige et c'est très classe. Ça dévaste un peu quand même. Hein. En vrai, je pense en termes de construction, t'as vraiment de faire des moyens de faire des super stylés. Ce qui est juste chiant en fait, c'est les meubles, je trouve. Après, on a pas tout débloqué, tu vois. On est loin d'avoir fini le jeu en plus. En vrai, normalement, on a fait plus de la moitié. Hein. Bah, même largement plus, il reste deux boss. Ouais. Je regarde juste une petite vidéo. Hein, oui, c'est bien, on est content, Outriders. Ta gueule. T'es pas un drague dehors? Si. Tout à l'heure, j'entends un truc gueuler. Ah, alors par contre, le truc pour l'invoquer, c'est un peu comme ce qu'on a vu, bah, le truc qui s'enfonce. Mais là, ça s'enfonce pas, c'est juste un cercle de pierre rouge qui brille. Vraiment, on peut pas le rater. De quoi là, le truc pour invoquer le boss. Parce que là, ce que je vous décris, c'est pour avoir le caillou qui vous dit où il c'est. C'est vrai qu'on peut tomber aussi sur directement le truc pour invoquer le boss. Ah oui, ça c'est bien possible. Mais dans tous les cas, c'est des trucs en pierre. Et le truc du boss, il est encore plus visible parce qu'il brille fort. Du coup, je me déconnexion. Ouais.
Ok. Ouais, on a pas de chat. Vraiment pas de chat. On va trouver, hein. Ça va prendre le temps qu'il faudra, mais on va trouver. Il y en a qui ont quand même fait 17, hein, je te rappelle. Ah, on en a déjà fait pas mal, hein, 4-5, facile. Bon, attends. Hein. Moi. En vrai, on a fait 3. Moi, je parle de biome strict. On a fait les deux pourris, on en a fait un gros. Celui qu'on vient de faire, on en a fait au moins 4. Et je crois qu'il y a deux biomes qui se chevauchent au début, donc ça fait 5. Il y en a un, s'il te plaît, c'est rien. Ah bah oui, non, mais je le compte quand même, parce que ça peut toujours spawn dedans. Mmh. Bon, allez, on va pas le compter, on va dire on en a fait 4. On est déjà à bout, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, plus.